Qui veut se fendre d'un petit résumé? Bah, moi j'ai ce qu'il faut pour en faire un. Moi j'ai plus de points de chance. C'est pas toi qui va le faire, Thomas, tu l'as fait la dernière fois. C'est... Mais oui, mais c'est... Je le fais pour... Non, je peux pas dire, ça va pas marcher. Je le fais pour Gwen. Ça peut marcher, ça peut marcher. Vas-y, Vas-y, Shoban. Ok, donc la fois précédente, on s'était, on avait terminé finalement l'exfiltration des otages du camp des orques. C'est-à-dire que chacun avait œuvré de son côté pour aller évacuer les otages. Est-ce que je reviens dans le détail sur qui avait fait quoi? Pas spécialement, non. Non. Non, bon. On retiendra surtout ce que vous avez fait trouver, quoi. Ouais, bah on retiendra finalement surtout la libération des trois elfes qui étaient les enfants des dignitaires de Tulea, dont l'un était décédé, mais qui avait parlé d'un premier-né. Il avait trouvé un papier sur lequel il était question de tuer un haut elfe aux cheveux d'argent. Ils avaient ramené un autre document qui était les plans de défense elfique qui étaient en fait à détruire après l'exécution des plans menés en Tulea. On était parti avec les otages et les prisonniers que j'avais pu libérer. Au moment de repartir, on avait entendu des aboiements et on était poursuivis par des wargs et des orques qui nous chargeaient. Qui vous quoi ? Nous chargeaient. Ils étaient en train de nous charger. Alors, pas tout à fait en train de vous charger. Vous aviez entendu des bruits et effectivement des orques à votre poursuite avec des wargs et du coup vous apprêtiez à faire front mais vous saviez pas encore exactement ce à quoi vous aviez affaire, les forces en présence et je vais vous switcher, tu peux te mettre ton point de chance, monsieur Ban. Mon unique, du coup. Mon unique, mon précieux. Et au moment où vous vous retournez, vous voyez que il y a au moins une quinzaine de wargs et autant d'orcs. Concrètement, ça va être chaud, surtout avec les blessés que vous avez qui vous ralentissent. Ok. Aram qui se trouve un peu en hauteur, qui avait encoché une flèche prêt à combattre, descend en glissant sur la piste en forêt, un peu la pente sur laquelle il était, d'un pas leste, et s'approche de toi, Shoban, et à l'aide de signes, il te dit que il va détourner l'ennemi de vous et que il te dit qu'il va détourner l'ennemi, il va aller les emmener sur une fausse piste. Une diversion. Exactement. Ok. Profitez-en pour emmener les otages en lieu sûr. Il nous reste combien de temps de parcours, enfin en termes de kilomètres et autres Il faut faire le chemin inverse de ce que vous aviez fait. Donc vous étiez passé par en fait il y a plusieurs chemins possibles pour passer la faille et vous étiez passé par la petite ville gnome. Ah oui. Ouais. Mais on s'arrête pas au niveau du. Il y avait un camp elf. De Sylvain. C'est après la faille. C'est après la faille. Ah d'accord. Les otages, vous devez les ramener en Sindoril. Oui, bah les otages. pour ce qui est de traverser la faille, il y a plusieurs ponts en fait par lesquels vous pouvez passer. Vous étiez passé par le comptoir gnome. Un des elfes vous dit qu'il y a un pont visiblement qui est libre. Sans doute par lequel vous pourriez passer pour le retour. Moi j'ai peur que le comptoir gnome nous laisse pas passer avec tout notre petit monde là.
Pourquoi ? Je sais pas, ça avait déjà été compliqué d'y rentrer. Bah non, c'était pas compliqué. Enfin, compliqué, ils avaient fait des histoires. Ils avaient fait des histoires drôles en l'occurrence. Des énigmes, c'est tout, c'est plaisantin. Non, je pense que c'est bon. Ouais. Et puis en même temps. Enfin, après, c'est compliqué là, parce que l'on en parle alors qu'on se fait pourchasser, mais Là, en fait, donc, Aram t'a transmis ses infos, Siobhan. Uh-huh. Et. Il fait demi-tour et il a un petit pas de ralentissement. Il se retourne vers toi. Il te fait un presque sourire avec un signe de tête pour te dire à plus et poursuit sa route. D'une foulée leste, sa queue de cheval virevoltant dans le vent. Et vous le voyez déjà encocher une flèche. Et grimper vers l'est. Ok. Il y a Bell qui s'approche de Cheban. Là, il a dit au revoir, hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Il a dit au revoir. Ok. Cheban, elle est un peu déçue. Elle aurait bien aimé lui adresser un geste avant qu'il parte. Et, je lui fais un voilà, dos. Elle se demande s'il va réussir à survivre. Mais elle a confiance. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Siobhan. Sagesse, donc. Peut-être que tu apercevras et qu'il fasse un petit clin d'œil. Sagesse double. Sagesse double. Bah oui, parce que sagesse héroïque, c'est une de mes capacités. Je peux en faire deux. Tu es très sage. Heureusement que tu es très sage. Tu notes que... qu'il semblait très fougueux. Comme si un feu intérieur brûlait en lui, il avait vraiment les yeux flamboyants. Comme s'il avait qu'une envie, c'était d'en découdre avec ses orques. Bah, je regarde mes compagnons et je leur dis visiblement notre ami Aram tient sa vengeance. Oui, moi je suis un peu déçu de pas être invité d'ailleurs. Mais on a une mission, on va essayer de la mener à bien et on se fera des orques plus tard. C'est clair. Donc on dit aux autres, allez, bougez-vous. Oui, voilà, et on reprend donc le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire on va passer par le comptoir. Oui. Ok. Ok. Donc vous hâtez le pas et vous avancez pas au même rythme qu'à l'aller parce que vous avez des blessés. Bien sûr. Mais pour l'instant... mis à part, il y a eu un ou deux wargs qui est arrivé sur lesquels vous êtes défait facilement, mais la meute ne vous a pas rejoint jusqu'à ce que vous arriviez au comptoir gnome. Au comptoir gnome, quand vous arrivez devant la porte de Verpoli, qu'est-ce que vous dites ? Ce sera Gwen qui va parler et qui va dire... S'il vous plaît, laissez-nous passer, c'est pour faire des affaires. Le miroir s'efface et cette fois, c'est plus les deux mégères, mais vous arrivez de l'autre côté. Donc là, c'est un gnome, visiblement un marchand, qui vous fait pour faire affaire, c'est-à-dire. Eh bien, pour en discuter, laissez-nous rentrer et on. Du matériel médical à acheter. Vous voyez qu'il regarde par-dessus votre épaule pour voir un petit peu votre troupe et il fait « Dis donc, c'est une troupe très hétéroclite que voilà. Qu'est-ce que vous faites par ici ?» Nous avons libéré des prisonniers d'un camp orc plus au nord, je crois. Et nous avons besoin d'aide pour les soigner, et donc nous cherchons du matériel médical. Tu as un des gardes qui dit qu'il est un éclaireur de la ville de Sindoril, et qu'il demande à ce que le peuple ami des elfes les laisse traverser en paix. Le garde fait « bon, très bien ». Et il s'exécute, donc il vous laisse passer.
Et on le connaît ce personnage, on l'a déjà vu ou alors c'est qui reconnaît lequel c'est semblable. Bah celui qui dit qui le laisse passer. Celui qui nous laisse passer en fait, celui qui demande au gnome de nous laisser passer. C'est un des elfes qui est au sein de votre troupe des gardes. D'accord, qui est dans notre groupe. Ok. Qui fait appel. Ok. Au gnome en poste. Je pensais que c'était un type qui était dans le comptoir finalement, qui était là pour faire des emplettes. Non, je me suis mal exprimé. Okay. C'est pas grave, c'est moi. Et donc du coup vous passez donc la porte. Vous vouliez acheter des choses ou pas au comptoir? Peut-être des popos. Ouais. Je vais voir Gwen. Est-ce qu'ils ont eu un approvisionnement de matériel au comptoir? Entre temps, non, ils n'ont pas eu d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'ils ont rien de plus que ce qu'on a pu trouver la dernière fois. Tout à fait. Ok. Et ils restent à l'achat. Pardon? Est-ce qu'ils ont des potions? Bah, il doit rester les trucs qu'on n'avait pas achetés en fait. C'est exact. C'est-à-dire? Eh ben, il restait une potion de vol. Oui. Et deux potions d'invisibilité. Ah oui. Il y a pas de potion de soin. Il y en avait trois disponibles. Je crois que vous avez acheté les trois. Les potions de soins légers, il n'y en avait que 3 disponibles, elles ont toutes été prises, et l'anneau a été acheté par par Bale. Il y a Gwen qui a 3 potions modérées, mais peut-être éviter de taper dans son stock à elle. Oui, non, mais c'était pour pouvoir en avoir en plus, quoi. Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'on... On profite d'être en ville là pour essayer de soigner nos compagnons blessés, là. Enfin les gens qui sont blessés. Bah disons que le soin il s'est fait un petit peu sur la route. Bah là de toute façon il n'y a pas de... comment dire, vous pouvez très bien en profiter pour prendre le temps de faire un repos court, que chacun se sustente. On va dire que Sioban s'occupe des soins de base. Que ce soit plaie ou infection, etc. Mais après, il y a pour les amputations, etc. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans l'immédiat et au comptoir gnome, mis à part laver les plaies, etc. Il n'y a pas de soins magiques qui pourra être apporté, surtout pas à la hauteur de ce qu'il y a à Sindoril. Ouais. Après, Sioban, elle peut soigner un petit peu. Oui, tout à fait. Oui, je peux soigner en considérant que finalement je vais pas dépenser du mana pour ça. Pour la plèbe. Non, je leur ai déjà filé des baies hein, au grouillot. des baies un peu germées, mais des baies quand même. Hein. Bah, elles étaient dans ma poche depuis un petit moment. Il y a un peu de sable, on a soufflé. C'était la règle, elles ont pas passé plus de 5 secondes par terre, donc ils ont pu les manger. Et B au grouillot. Ok. Est-ce que vous souhaitiez faire autre chose au comptoir? Je sais pas ce qu'on pourrait y faire d'autre. Ah, je vais. Tant qu'à faire, je vais essayer de voir si dans la. Belle, elle va essayer d'écouter un peu au niveau de la ville, au niveau des commerçants ou autres, si un des gnomes chercherait un passeur pour peut-être donner des marchandises à des elfes, histoire que la personne ne bouge pas, et elle récupère des marchandises, qu'elle amène à bon port, comme ça. Fais-moi un test d'investigation, d'intelligence. Alors. Alors. I am very intelligent. Tu trouves un marchand qui a effectivement une course à faire. Visiblement, il aurait quelques potions de soins à livrer à un elfe de la capitale. Fais-moi un test de charisme. Tu lui dis quoi exactement?
Je lui dis que avec mes compagnons, on va en Tulea et j'imagine que votre cité offre parfois, votre comptoir a parfois affaire avec les elfes. Et vous voulez faire une pierre deux coups, et si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour une course, je pourrais présenter mes services. Si vous êtes intéressé, évidemment. Ah, eh bien, effectivement, j'aurais quelques marchandises à transmettre à un noble elfe qui m'a passé commande. Cela m'éviterait de faire le voyage, ouais, mais... Votre troupe paraît apte à affronter quiconque se trouverait sur son chemin. C'est une route dangereuse. Ça, ces derniers sûr. Temps. Et quels sont vos tarifs pour cela? Ah, vous savez, avec les temps qui courent, justement, le danger... Combien il y a de potions? C'est quoi la cargaison déjà? C'est une petite caisse avec 3 potions dedans. 3 potions, c'est quoi la valeur marchande, c'est quoi à peu près? Je n'en sais rien. Il sait pas ce qu'il envoie? Si, c'est des potions, mais je ne sais pas. Non, mais il sait alors, pas la valeur parce qu'il alors, envoie. Je lui demande, est-ce que vous pouvez me préciser, parce que mes tarifs, voyez-vous, c'est en fonction de. En fonction de la marchandise et de la destination. Donc j'ai besoin de savoir à peu près combien vaut votre cargaison, s'il vous plaît. Eh bien, disons que je vous paierai la somme de 20 pièces d'or pour ce trajet. C'est pas la réponse. C'est le prix d'un tiers de la cargaison, quoi. D'accord, et comment procéderions-nous pour le paiement, je veux dire. Je peux vous en payer la moitié maintenant. Et à l'arrivée, vous serez payé de la moitié suivante. Quelqu'un sur place me passera de l'argent, c'est ça? La personne qui a passé commande, oui, tout à fait. D'accord. L'arrangement se fera entre nous via nos comptes respectifs en banque. Toutefois, si la cargaison venait à se perdre, la garde de Sindoril serait à votre recherche. Tant mieux. Qui vient de me chercher? C'est-à-dire? Eh bien, comme ça, je retrouverai la cargaison, ne vous inquiétez pas. Donc je tends ma poigne en signe de deal. Il fait de même. Tu sens sa main toute petite dans ta main. Très bien. Donc, 10 pièces d'or. Maintenant, du coup, c'est ça? 15? Je t'ai dit 30, non? Non, tu m'avais dit 20. Mais j'accepte 15. Bah alors, c'est 10. C'est moi qui me suis planté. Ah, t'as dit 15, hein? Là, le petit gnome, il passe les 15 pièces d'or. Non, c'est le MJ qui s'est embrouillé. C'est pas le petit gnome. Moi, j'ai noté 20 PO sur mes tablettes aussi. Donc. Ah bah voilà. Ah, oh, voilà. Les notes. La comptable avait mis 20 PO. Ah, la comptable n'avait pas négocié. Ok, bon, bah très bien. Vous aviez autre chose à faire? A priori non. Quel est le nom de la personne à qui doit faire la livraison? Alarin, oui. Vandelor. Ok. Du coup, je suppose que vous vous remettez en route. Ouais. Oui. Ok. Donc vous progressez à travers les steppes entourant la faille. Je me rappelle plus, vous aviez discuté avec les otages ou pas? Très peu, en fait. Bale, non. Ok. Et Gwen, je sais pas. Zazo, non plus. Bah, on avait juste obtenu les différentes informations dont on a pu parler. C'est-à-dire avec Bale, par exemple, le fait de tuer le guerrier aux cheveux d'argent.
ce genre de choses. Enfin, quoi que c'était pas tant des otages qui qu'on avait eu ces informations-là, c'était dans la cabane du chaman que vous aviez trouvé des trucs. Ouais. Oui, il avait trouvé les petites notes. Ouais. Non, avec les otages, pas grand-chose. Pas rien, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de parler. Ok. Non, mais c'était, je savais plus ce qui avait été dit ou pas. Ok. Mais du coup, pendant la route, on peut engager le dialogue. Si vous voulez, hein. Bah, maintenant qu'on essaye. Ah oui, d'ailleurs, une précision, à un moment donné, t'as dit trois otages, dont un était mort. Précision, les trois otages étaient en vie quand ils ont été trouvés. Il y en a un qui a été tué pendant l'exfiltration. Ouais. Voilà. Exactement, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, il est toujours. Enfin, on transporte quand même le corps avec nous, hein, toujours. C'est Déter qui se charge de porter le cadavre, ouais. D'ailleurs, il me semble que c'est Solonas d'Ishtran, je crois. Attends, je vais vérifier lequel était. Ah, leur nom, c'est vrai claqué. qu'on les avait pas pris. Ouais, non, mais ça doit... Oui, c'est ça. C'est le mec. Oui, tout à fait. Ok. Alors, oui. J'ai une petite question. Du coup, les potions de soins, elles sont dans une caisse, c'est ça? Oui. C'est... Une petite D'accord. caisse finement ouvragée d'un bois très foncé. Et je peux l'ouvrir? Oui, c'est pas verrouillé, c'est juste un coffre. Oui, juste tout à fait, ouais. Ok, donc je vois, et ces trois potions, elles ont l'air comment? Je peux montrer ça à Zazo, vu qu'il s'y connaît un peu plus, tellement en magie et tout, en potions. Oui. Donc du coup, les potions, elles sont, elles contiennent un liquide bleu éclair, et elles ont des petits liserés d'argent sur les fioles qui sont transparentes. Et donc, j'arrive à savoir ce que c'est. Normalement, c'est potion de soin, non? C'est pas ça qu'il a dit, potion de soin. Tu veux identifier les potions? Ouais, j'aimerais bien. Ok. Pour identifier les potions, il faudrait que tu te penches dessus pendant un repos court ou un repos long. Et que tu me fasses un test d'intelligence et que tu vas passer tout ton temps à plancher un peu dessus, quoi. On va pas goûter avec, en toucher les lèvres. Après, il y a une autre façon d'identifier, c'est de boire la potion, effectivement. Oui, mais après, du coup, si tu bois la potion, elle n'existe plus. Oui, bien sûr. non, mais savoir quoi. Non, je sais pas, on peut profiter d'une pause à un moment pour que je passe un peu de temps dessus, non? Oui, peut-être, ouais. Là, vous êtes encore au comptoir, hein. Vous m'avez pas dit reprendre le chemin encore. Ah, vas-y. Je pensais que si, on avait repris la route là. Bah oui, moi aussi, je pensais. Ok. Enfin, donc on a quitté le comptoir et on commence à reprendre la route, mais. Je profiterai d'une pause à un moment pour faire l'identification. D'accord. Ok. Siobhan, elle voit la scène de loin et elle va voir Bael. Elle lui dit: toi, fais attention, t'avises pas d'abîmer ta cargaison, sinon c'est tout notre groupe qui va avoir la garde à nos trousses. Il a dit uniquement moi, donc la garde n'aura affaire qu'à moi. Et puis on va pas abîmer le cargaison, on va pas l'abîmer. Par contre, la consommer, remplacer par autre chose, pourquoi pas. Il va nous mettre dans l'embarras, je le sens. Mais non, non, pas du tout. Donc du coup, au décours d'un repos, Zazo, tu fais-moi un test d'intelligence, on verra donc du coup ce que ça donne. Là, tout de suite, je fais. Ouais, t'as qu'à le faire maintenant. Ah, vas-y, fais péter l'intelligence. Oh là là. Voilà. Tu remarques que je fais quand même 8 avec un 1. C'est quelque chose qui te paraît familier, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus là. Ouais, ouais. Sans doute, ça plus tard. Peut-être la fatigue ou les événements passés là qui t'ont passablement épuisé. T'as utilisé beaucoup de sorts. Voilà. Zazo dit à Diabelle, écoute, là c'est vraiment pas le bon moment, je manque de sommeil, je réessayerai plus tard. Ça marche, on fait comme ça. Voilà. Et puis en même temps, Belle, elle chuchote à Gwen sur une action possible en cas de pépin. Vu que je joue deux personnages, bah vous savez pas. Vous
progresser, le terrain descend. Vous aidez les otages et les prisonniers qui ont plus de difficultés que d'autres. Votre pas est un petit peu plus rapide qu'avant le comptoir gnome, mais c'est pas encore franchement ça. Vous êtes passablement sur les nerfs d'être un peu en suspens vis-à-vis de cette meute de warg qui vous pourchassait, bien que le passage de la faille vous a rassuré. Vous dites que c'est peut-être pas tout de suite qu'ils vont vous retrouver du coup. Et au fur et à mesure que vous progressez, l'humidité se fait plus forte, bien que vous êtes proche de l'été. La végétation se fait plus dense et vous pénétrez de nouveau dans la forêt de Haute-Sylve après avoir descendu les pics montagneux. Vous croisez de ci de là des patrouilles d'elfes qui vous indiquent la direction de Tindoril, bien que les elfes qui vous suivent connaissent la direction, mais de temps en temps les personnes vous indiquent quand elles voient votre procession. On vient s'enquérir un peu de vous, de ce qui se passe, et puis certains plus mal en point que d'autres s'arrêtent à des checkpoints et des camps tels que celui de Valandor. D'ailleurs, vous arrivez bientôt au campement de Valandor. Souhaitiez-vous y faire une halte ou vouliez-vous continuer jusqu'à la capitale? D'accord que Valandor, c'est pas le mien, hein, c'est pas la rune Vendelor. Non, pareil. Non, okay. Non. Tout l'annonce ressemble. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on fasse une halte? C'est peut-être pas forcément nécessaire. On peut peut-être en profiter quand même, voilà, pour les points de vie, etc. Et on peut prévenir quand même les personnes dans le camp de ce qui s'est passé dans le campement orc. Pourquoi pas, ouais. Ok, vous les informez et vous continuez votre chemin avec les otages. Bah, vous vouliez récupérer des points de vie, les gars, c'est ça? C'est bon, hein, je suis au max. Hein. Bon. Ça va? Ouais. Ok. Oui, c'est bon, ouais. Pour récupérer des points de mana pour Gwen, il faut qu'elle fasse quoi, du coup, si c'est un repos court? Faut qu'elle dépense un point de récupération. Oui. Faut qu'elle dépense un point de récupération et elle récupère en PM, il faut cliquer sur où. Il n'y a pas à cliquer. Moi, c'est 1d6 plus le modificateur de sagesse. Je sais pas si elle, ça se passe pareil. Gwen, c'est 1d10 plus le modificateur de charisme. Ok, bah, elle va dépenser un point de récupération. Zazo, toi, c'est 1d12. Pour la récupération de quoi? De mana. Mana. De mana. Alors attends, je vais te dire ça. Là, bon, là, elle récupère à fond. Ok, nickel. Et j'ai de récupération de mana, c'est 1d12 plus modificateur d'intelligence. Voilà, donc c'est ça. C'est bon. Ok. Attends, j'en suis où du mana, moi? Non, ça va, j'en ai encore, c'est pas à fond, mais... Il y en a 40 sur 42, ça va. Ah, 13 sur 19. Ouais, quand même, hein. Ok. Tu veux pas te replonger sur ces petites potions? Si, on peut, à la rigueur. Est-ce que j'ai le droit de refaire un essai d'identification, monsieur? Vas-y. C'est à peine mieux. C'est compliqué, hein. Ça ne suffit pas. J'ai une chance incroyable ce soir. On réessayera plus tard, peut-être. On demandera à d'autres elfes. Hein. Voilà. On demandera peut-être à d'autres elfes. Alors, du coup, poursuivez votre route en direction de la capitale.
Et... vous arrivez en vue de Sindoril. L'arrivée à Sindoril, même dans un contexte aussi sombre, est toujours un ravissement. Le centre de la cité elfique repose sous les blanches ramures du formidable arbre-cœur. La Lumineuse est une cité à nul autre pareille. À la fois antique et en perpétuelle évolution, vivant au rythme de la forêt. Autour du formidable Malorn s'est tissé le réseau harmonieux et extrêmement dense d'une ville suspendue sur plusieurs niveaux entre les arbres millénaires d'une forêt enchanteresse. Au sol, de nombreux comptoirs et petites maisons de bois se sont installés dans le respect de l'écosystème, étendant au sol la superficie de la capitale elfique. C'est aussi là que sont accueillis étrangers, ambassadeurs, marchands et autres curieux. La basse ville, comme on l'appelle, est assez calme au moment où vous pénétrez dans la ville. Avant le début du conflit, il s'agissait d'une ruche étourdissante, vous explique une des otages elfes. Ok. Alors, que faites-vous du coup ? Eh bien, il faudrait qu'on essaie de retrouver Tinsirit. Ah oui. Oui. Qui avait été rappelé pour des affaires diplomatiques. Les otages, ils sont avec nous ou pas là ? Peut-être les ramener. Déjà, peut-être, je sais pas, une sorte de couvent ou autre. Enfin, pas un couvent, mais de quoi. Même oui, ne serait-ce qu'alerter les autorités pour les otages, pour les familles. Bah, je comptais sur Tinsirit finalement pour. Oui. Et viennent les autorités locales. Bon, on a qu'à essayer d'engager une conversation avec un garde ou autre pour nous amener vers Tinsirit. S'il sait où il est, et ensuite de Tinsirit. Ouais, voir si la. C'est Gwen qui pense à ça, qui réfléchit à ça. C'est pas Bale, hein, c'est Gwen. Mm-mm. Ok. Et. Dame, si vous cherchez la maisonnée du sieur Tinsirit, je sais où elle se trouve. Il faudra grimper. Super, allons-y. J'ai mes vieux os, mais ça va pouvoir le faire. Vous progressez en hauteur en utilisant les systèmes de ponts, de mécanismes pour se hisser, de marches, etc. Et vous avez l'impression que plus vous montez, plus les maisons sont amples, avec des décorations plus riches, on va dire. Vous voyez des arbres un peu de différents phénotypes. Vous avez plusieurs races d'arbres différentes. On dirait que c'est à la fois sauvage, mais la main des elfes n'a pas. C'est pas ça qui a altéré, mais on dirait que ça a accompagné. Okay. D'accord. Ben, elle peut pas s'empêcher de voir finalement cet attachement social de siffler comme ça, à la façon. Les riches sont toujours en haut, ça profite. Peu importe, on est dans une grande société comme ça, on retrouve les mêmes choses, hein. Pas surprenant. Et même pour des races possédant des critères d'appréciation et de beauté de l'harmonie totalement différents. Alors, regardez pas tous Zazo. vous voyez que l'architecture du lieu est vraiment impressionnante et que ça vous touche un peu. Et au loin, alors que vous approchez de la demeure de Tinsirit, vous voyez le palais de la reine qui trône au plus près du soleil et des vents comme le bijou qu'il est.
vous êtes accueilli au pied de l'arbre cœur avec toute la chaleur dont est capable un aristocrate haut elfe écrasé par un fardeau terrible et rongé par un stress abominable. votre ami Tinsirit est là. Un sourire à demi posé sur son visage qui s'efface quand il voit le corps que porte Déter. Vous voyez que les gardes avec la livrée de la maison d'Islaine sont là également. Alors que vous approchez, Tinsirit vous dit: mes amis, bon retour parmi nous. Dites-vous quelque chose de particulier? Bon, là, encore une fois, c'est Gwen, ouais. Content de le voir. Ouais, et puis. Merci pour son accueil déjà. Et puis peut-être on peut l'avertir sur par rapport au papier et lui dire que On pourrait lui proposer de d'aller dans un endroit un peu plus calme pour parler de nos découvertes. On peut lui demander d'avoir un petit rendez-vous avec juste sur la montagne, bref. Très bien. Au passage, je suggère à Bale de s'enquérir de son du destinataire de son transport le plus rapidement possible pour en être débarrassé. Et je lui réponds, certes. Après, j'ai jamais précisé quand est-ce que je lui rendrai. Le. Je viens le petit gnome. Tinsirit salue également les deux otages elfes encore en vie. Et vous leur dit que en elfique, mais bon, vous êtes plusieurs à le comprendre. Leur dit que les gardes d'Islaine, les gardes de sa maisonnée vont les raccompagner jusqu'à leur famille, qu'ils ont sans doute hâte de les rejoindre et qu'ils sont désormais en sécurité. Il laissera personnellement certains de ses gardes au sein de leur maisonnée. Ok. Tissirit ensuite vous fait signe de le suivre. Vous marchez 2-3 minutes et vous arrivez à sa demeure. Oh. Alors j'enlève les otages du coup. Écoute. Ah mais attends, c'est que c'est en bois. Et le bois ça brûle. Toujours le mot pour plaire. Allez-y, prenez place, mes amis. Ici, vous êtes tranquille. Pas d'oreilles indiscrètes seront à l'affût. Vous voyez tout un fatras de papier amoncelé sur sa table, même si tout est bien rangé à sa place, mais visiblement, il a eu fort à faire ces derniers temps. Sa maison... sa maison profite d'une installation au sein de plusieurs arbres anciens creusés à même et sur plusieurs étages. Et vous voyez la finesse de l'ouvrage elfique au plus haut niveau, c'est absolument magnifique. Une grande fontaine se tient devant sa maison et plusieurs gardes patrouillent, même s'ils sont assez discret, il n'y en a pas tant que ça finalement, mais quelques gardes patrouillent et vous les voyez qui sont relativement sur le qui-vive. Ça, c'est un garde, ça, du coup? Oui. Ok. Et lui aussi. Ok. Voilà. Je vous écoute, cher compagnon. Aram n'est pas avec vous? Eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes. La résistance que nous avons rencontrée au campement des crocs brisés était beaucoup plus importante que nous l'imaginions. Nous avons eu la chance de pouvoir secourir la poignée d'otages que vous avez vue tout à l'heure, qui ont été raccompagnés par vos gardes. Malheureusement, en quittant le campement, nous étions suivis par des wargs et des orques, et Aram a pris la décision
de les détourner pour que nous puissions fuir. Il est parti en direction de l'est et nous l'avons perdu de vue. Ah, bon. Bon, je tiens à souligner l'exploit que vous avez accompli. Écoutez, vous voyez qu'il déplie une carte de la région devant vous. Alors, vous me disiez que c'était en quittant le camp et qu'il serait parti vers l'est. Il essaie de voir à peu près par où serait parti Aram. Zazo, qui a quand même des compétences en carte, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, Zazo. Ouais, c'est sûr, tu le rates pas. Ok. Disons que je suis d'une intelligence légendaire aujourd'hui, mais c'est un problème. Tu lui indiques une zone assez vaste, c'est pas aussi précis que tu le voudrais, t'as du mal à te repérer une fois finalement mis sur papier. Tu vois à peu près où c'est, mais tu lui indiques une zone assez vaste entre le campement finalement et un peu avant le comptoir. Par contre, la direction que tu leur donnes semble être la bonne d'après toi. Tu vois Tin Sirith qui s'adresse aux gardes de la porte d'entrée au niveau du ponton et qui dit Atreis, et il parle en elfique du coup, et vous comprenez, je crois que vous parlez tous elfes, il me semble, là, tous une les trois là. Bonne partie, oui. Bon, ouais. Qui parle elfique? Oui, il me semble. Ah. Okay. Oui, j'ai plein de langues. vous comprenez qu'il demande. Fait dépêcher une troupe de rôdeurs et fais-les retrouver la trace d'Aram sur cette région. Dis-leur qu'une force ennemie est en présence sur le secteur et qu'ils se fassent discrets, mais qu'ils retrouvent la trace de mon ami. Et le garde, oui, sire. Et il s'exécute et il part au pas de course. Il replie la carte. Bien. Je vous écoute pour la suite. Le garde vous a appelé sire à l'instant ? C'est exact. Est-ce que l'usage veut qu'il vous appelle sire ou la situation diplomatique a changé ? La situation diplomatique a changé, mais pas comme vous l'entendez. Ah. Écoutez. Continuez votre compte rendu, je vous explique après. Ok. Donc, on a été aux abords du camp pour l'infiltrer. Chacun notre tour, nous avons joué de nos talents pour essayer d'extraire des prisonniers et avoir des informations. Et là, je regarde Bale et je lui dis, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lui donner le morceau de parchemin que tu as trouvé dans la tente du chaman, qui était la tête pensante sur les lieux. Oui, donc j'arrive, je me mets à son niveau. Alors il est là, hein, d'accord. Ouais. Et je lui donne un papier, enfin le premier papier. Et ensuite, je me penche au niveau de à son niveau, enfin je me penche au niveau de son oreille. Et bien que je suis conscient qu'il y a un garde juste derrière, enfin je me dis que ça. Je vais quand même l'avertir que il y a également une fuite au niveau des défenses elfiques et qu'il y a une taupe. Donc et je lui parle également du plan des défenses elfiques qui avait récupéré les orques et qui devait être détruit, ce papier. Et je lui glisse le parchemin dans sa poche. Au passage. Ah, tu lui montres pas. Enfin, ah, il le regardera. Tu lui étales pas sur son bureau.
Non, non, parce que pas la carte. Parce que encore une fois, je sais pas en quelle mesure les gardes derrière, enfin la fidélité, tout ça, on sait jamais quoi. Quand donc, tu vois coup, que quand il voit que tu prends toutes ces précautions, il te dit vous pouvez dire à voix haute tout ce que vous avez à dire ici. Les personnes qui sont ici ont ma entière confiance. Eh bien, je lui dis, bah écoutez, très bien. Et puis je lui montre déjà le mot gribouillé qui montrerait qu'il serait donc une cible premièrement. Et puis ensuite, je sors d'une surmoire en fait. Donc du coup, la carte des défenses elfiques. Et puis voilà. Et puis je lui dis, je dis tout haut. Bon bah voilà, société elfique, bah vous avez aussi des traîtres. Voilà. Comme quoi, hein, pas très différent des êtres humains. Zazo, tu ajoutes autre chose ou tu laisses Bale converser? Non, bah, je dis juste ça, puis après je pars en fait. C'est... Oui, oui, non, mais j'ai compris, mais c'était pour savoir si Zazo apportait autre chose ou il gardait le silence. Non, pour l'instant, je garde le silence, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter, au final, même si je n'aurais pas forcément dit la manière à de Bale. Mais non. Mais c'est pas faux. Soit ajouté, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est juste tout à fait pas diplomatique, mais... Mais est-ce qu'elle est diplomatique? Non, c'est clair. Ah bref, voilà. Bon, j'imagine que Gwen, elle lève un peu les yeux en l'air. Et, ah, Bale. Mais voilà, c'est tout. Enfin, elle laisse... Vous le voyez réfléchir un long moment. Puis il prend la parole. Mes amis, merci. Vous avez tenu parole. Voici quelle est la situation ici. Effectivement, Siobhan. Glorfindel a effectivement convoqué le Haut Conseil des Douze. Mais j'ai convaincu les familles des otages de vous laisser une chance de ramener les leurs sains et saufs. Sans vous, le vote aurait eu lieu et Glorfindel serait déjà à la tête d'un gouvernement provisoire qui nous mènerait à la ruine. Le retour des otages, ou leur mort, ainsi que votre témoignage devrait libérer leur famille. Mais le vote va avoir lieu et je ne suis pas certain du tout de l'issue du scrutin. C'est un risque que je ne peux pas prendre, mais je suis à court d'artifices légaux pour retarder la procédure. Demain, je vais jouer ma dernière carte. Au moment du vote, je vais attaquer Glorfindel en justice pour haute trahison. L'ouverture d'un procès pour ce motif extrême est la seule chose qui peut retarder encore le vote. Mais, ce faisant, je prends un risque énorme. Soit je parviens à prouver la culpabilité de notre ennemi, soit l'accusation se retourne contre moi. C'est la procédure. Ainsi va la justice à Sindoril. On n'attaque pas un haut membre du conseil sans avoir des preuves irréfutables. Sachez aussi que notre système récuse tout recours à la magie pour un procès, sans quoi les magiciens seraient au-dessus des lois. Les réquisitions et la défense se déroulent selon l'antique méthode de la discussion contradictoire. Les faits, les preuves. Voilà ce qu'il me faut. J'ai encore besoin de vous, mes amis. C'est crucial. Ils vous regardent tour à tour. Dites-nous ce qu'il faut, ce que vous attendez de nous précisément, et on verra si on peut accéder à vos, je sais pas comment dire. J'ai besoin de preuves concrètes de la machinerie qui opère en secret à Sindoril. Il me faut de quoi pouvoir accuser Glorfindel sans qu'il puisse le récuser. Les indices que vous avez trouvés au campement Crobrisé sont des débuts de piste. Je pense qu'il faut poursuivre dans cette direction. Et vous avez une suggestion de pour orienter notre enquête ? On peut pas le tuer sinon, si on arrête là. Tu vois qu'il grimace. Qu'il prend une mine de dégoût. Non. Il est inacceptable
de s'abaisser à cela. Je ne couvrirai pas ces abjectes transgressions. Et je vous rappelle qu'il est catégoriquement interdit de faire couler le sang, en particulier celui de haut elfe, dans l'arbre-cœur. Non. La seule solution, ce sont de trouver des preuves ou des témoins qui accepteraient de témoigner contre Glorfindel et la machinerie qu'il a mis en place. Donc des complices potentiels qui pourraient témoigner, quoi. C'est cela. Vous m'avez fait parvenir ce plan. Qu'avez-vous trouvé d'autre sur le campement? Je ne sais si vous avez trouvé d'autres preuves. Au campement, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? On aurait vu qui pourrait... Tiens, j'aimerais lui montrer une amulette magique. Ça que j'ai récupéré dans la tente. Je lui dis que je sais pas si c'est une preuve, mais est-ce que vous savez à quoi ça correspond? C'est l'amulette que t'as récupérée sur le chaman? Ouais. C'est de l'ouvrage orc, visiblement baigné de magie impie. Vous avez trouvé ça sur un des chamans que j'ai tué. Ouais. Ils s'en servent pour tirer les pouvoirs de leur divinité impie. Je vous déconseille de porter ce genre de choses. Cela pourrait avoir un effet maudit sur vous. Là, comme ça, du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur son effet ou pas? Non. Non, très bien. Et il ajoute... Bale, je sais que vous avez tendance à ne pas écouter ce que je dis ou à marcher sur le fil de l'équilibre, mais... Ce genre de choses marche dans les deux sens. Plus vous les côtoyez, plus vous les acceptez en votre sein, plus votre âme va être corrompue. Et plus vous aurez des difficultés à vous en défaire. Oh, vous en faites pas. J'ai déjà moult soucis, j'en suis plus à un prêt. Mais si vous voulez, on pourra en discuter. Il hoche la tête. Siobhan s'adresse à Tinsirit et lui demande si il a conservé précieusement la lettre qu'il avait sauvée du feu le jour où on affrontait Urghasht qui avait tué Sindodin. Sindodin. Il avait trouvé une lettre sur laquelle il était question d'un certain G. Oui. Voilà. Il se lève, il va vers un de ses bureaux. Et il en sort d'un tiroir la lettre. G, ce serait pour Grugash. Non, ce serait pour Glorfindel. Il vous relit la phrase. G, ce pantin pathétique. Et il fait quelques pas en réfléchissant à ça. Mais... Alors, c'est G, donc juste la lettre G, virgule, ce pantin pathétique. Ouais. Non, c'était l'aide de G, ce pantin pathétique, a été précieuse, il a tenu parole. Ok, par rapport, donc, c'est l'elfe en question. Comment? C'est le G, donc du coup, ça correspond a priori à l'elfe qui aurait trahi... Ça pourrait correspondre effectivement à la première lettre du nom de Glorfindel, qui serait finalement le traître et qui aurait... Ouais. Et qui aurait vendu les plans aux orques.
D'accord, ça peut pas être pour l'attaque de la pour l'attaque de Tuller. Ok. Mais tu dis Grougash, c'est parce que le celui qui a tué Sylnodin, c'était Urgash. Ouais. Non mais Grougash c'était le big boss du d'écran des crocs brisés si je me trompe pas. C'est ça. C'est pour ça que qui est le pantin? Est-ce que Grougash ne serait aussi qu'un pion? Ce serait plus facile quelque part pour un orc d'être un pion. Alors qu'un elf, c'est pas une preuve irréfutable, donc ça pourrait venir étoffer le dossier de Tin Sirith. Vous, au décours de votre infiltration dans le campement, avez-vous pénétré la tente des chefs? Ben, je vous avoue que si l'objectif était de tuer les chefs, rassurez-vous, je l'aurais fait avec grand plaisir. Hélas, on avait déjà quelques otages qui n'étaient pas forcément en très bonne forme, donc j'ai dû me plier un peu aux ordres. Un peu pressé, quoi. Non, mais... Bien évidemment, c'était juste pour savoir si vous auriez pu glaner d'autres informations. C'est uniquement pour ça que je vous posais la question. Malheureusement, non. Mais visiblement, les chamans avaient l'air de chapeauter un peu les choses, vu qu'ils avaient ce plan, ce mot que vous m'avez montré, visiblement, qui avait l'air de me désigner quant à l'attaque que nous avons subie après avoir vu le sage. Oui. Et d'autre part, les orques communiquaient, en tout cas les chamans communiquaient via G, peut-être, donc peut-être Glorfindel, oui. Avec des corbeaux. Ah. Et on en a récupéré un. Les messages, le message avec qui montrait Tin Sirith, c'était un tout petit message. Enfin, il a vu que c'était un tout petit message, un tout petit message. Et qui pouvait s'enrouler autour d'une patte d'un corbeau dans une capsule. Donc c'est ce qu'on avait discuté. C'est Gwen qui parle. Hein. C'est Gwen corbeau qui parle. Que Zazo avait récupéré d'ailleurs. Oui. Oui. C'est donc ça qui se trouve sous le tissu que vous portez, maître Zazo. Oui. Oui, monsieur. notre idée, quand on parle de complice, finalement, ce serait pas de convoquer un rendez-vous et peut-être, à ce moment-là, choper les individus. Mais ce serait intéressant. D'ailleurs, en tant qu'ensorceleuse, j'imagine que je pourrais me rendre au point de rendez-vous et sous les traits de Glorfindel... appâter encore plus facilement mes complices. Écoutez, je pense qu'il y a du bon dans ce plan, mais je vous serais gré de limiter votre implication magique dans cette affaire. Je vous explique pourquoi. Oui, pardon. Il se peut que si nous jouons de magie et que cela se voit, cela risque de se retourner contre moi au jour du procès. Si nous commençons à manipuler les esprits, manipuler les apparences, et que certaines personnes en soient témoins, j'ai peur que mes mots et mes preuves ne soient que poussière. N'avez-vous pas dit à l'instant que les lieux étaient sûrs, d'un point de vue de la confiance? Les lieux sont sûrs au sein de mon habitation. Je ne vous parle pas de toute la capitale de Sindoril. Je ne peux assurer la sécurité au sein de la capitale. Vous voyez bien que la traîtrise règne. Par contre... En fait, nous n'avons nullement besoin de faire appel à la magie. Le corbeau saura retrouver sa route et il pourrait très bien désigner tout seul le destinataire des messages. Tu vois que Tin Sirith hausse un sourcil. Vous avez raison. Effectivement. Je pense que cela semble être une piste propice à...
à vous amener vers l'auteur de ces messages. Il y a Belle qui répond, mais c'est pas un peu facile du coup. Enfin, je veux dire, la défense, elle va dire, bah, il y a eu un corbeau, il est venu sur moi, mais je le connais pas. Et ça s'arrête là. Alors, disons qu'une fois que le corbeau aura désigné finalement l'endroit où est le messager coupable, pourra toujours procéder à une fouille ou à un interrogatoire. C'est vrai. Ouais. Belle, elle paraît pas convaincue. Et comment... Je ne comprends pas. Comment le corbeau savait où aller ? Enfin, je veux dire... Bah, je suppose qu'il a été entraîné... De là à se rendre dans un campement orc, je suis quand même assez perplexe. Je suppose que soit il a été entraîné à reconnaître certaines personnes, soit il a été ensorcelé pour ne rejoindre que certaines personnes. Je pense que ça fonctionne comme un pigeon, c'est de l'entraînement, non ? En avez-vous déjà vu des cas similaires, Maître Zazo ? D'ensorcellement oui. Je dois faire un jet de... d'intelligence. D'ensorcellement d'oiseaux, veux-je dire. Mais on peut pas leur montrer l'oiseau en question ? Peut-être qu'il pourra détecter de la magie, hein. Parce que là, on suppute, mais on sait rien. Donc on peut très bien lui montrer l'oiseau et voir ce qu'il en découle. Peut-être qu'il est un oiseau tout à fait banal, ordinaire, ou alors qu'il a un fusil de magie. Voilà, bah donc je sors l'oiseau et je lui montre. Et l'oiseau est mort. Parce qu'il n'a pas été mangé. Je... Oh. Écoutez, je ne suis pas pratiquant des arts magiques. Vous voyez qu'il est, il est un peu désolé de son incompétence. Et moi, je suis magicien, je suis pas en sorcier. Maître Zazo, je pense que vous êtes bien plus à même que moi de savoir si cet animal a été envoûté ou enchanté. Vous, Dame Sioban. Je peux bien faire de la détection de magie. J'ai une compétence pour ça, d'ailleurs. Ah, bon. Passe-moi au niveau. Il me faut 100 PA de poudre d'argent pour le faire. Bon, elle va se trouver là-bas. Il y a des échoppes. Il y a des échoppes qui vous fourniront ces ingrédients si vous avez besoin de ça. Très bien. Je peux vous avancer l'argent, enfin, je peux vous donner l'argent nécessaire. Volontiers, monsieur. Bah, ensuite, Sioban, elle trouve que les propos de Tin Sirith sont pas idiots, sont pas dénués de sens. Elle, finalement, qui a l'habitude de la forêt et des animaux, elle pourrait essayer de prendre le volatile et dans ses mains pour voir s'il y a quelque chose qui lui paraît anormal. Eh ben, tu peux me faire un test de nature. Donc, je crois que c'est la compétence sagesse, si je me trompe pas. Très bien. Donc, c'est un test de sagesse. Et comme c'est un sagesse. Ah, pas mal. Bien joué. Et donc du coup, tu détermines que l'animal ne paraît pas envoûté. C'est un animal tout à fait normal. Tu lui reconnais une certaine intelligence. Visiblement, c'est un animal qui a été entraîné. Entraîné à reconnaître un pattern ou quelque chose qui revient. Il a sans doute mémorisé quelque chose qui lui fait savoir qu'il est au bon endroit. Alors, ce sera des couleurs ou la position des bâtiments ou... C'est quelque chose de cet ordre-là. Attends, toi t'as pas... Attends, hop, je regarde juste... Non. C'est de la déduction que tu fais. C'est en même temps tu ressens certaines choses de cet animal comme si t'étais un peu entré en connexion, mais pas jusqu'au bout parce que tu parles pas le langage des animaux, donc tu t'as pas le oui
T'as pas le langage animal. Bien. Ok. Je pense que cela me semble être votre piste la plus... solide. Solide, effectivement. Est-ce que vous avez pu glaner peut-être des informations auprès des otages ? Non, et j'avoue que nous n'avons pas beaucoup pris le temps de discuter avec eux, étant donné que ce qui nous importait le plus, c'était surtout de les amener ici pour qu'ils puissent se faire soigner et assurer leur survie. Oui, je comprends. Effectivement, le retour devait être difficile. Écoutez, je vais me préparer pour ce qui m'attend demain. Je ne peux que vous souhaiter d'avancer au maximum. Les portes de ma villa vous restent ouvertes. Vous pouvez dormir, des lits vous ont été préparés dans l'aile ouest. Tenez, voici l'argent pour vos ingrédients, Maître Zazo, si toutefois vous en avez toujours besoin. Merci. Et si vous avez la moindre question, revenez me voir. Moi, je lui demande si je peux lui parler en tête à tête une fois que tout le monde est sorti. Bien sûr. Tu sais, il peut me dire non plus tard ou autre chose, c'est juste pour savoir si il a un petit peu de temps à me consacrer. Oui, non, il n'y a pas de problème. Ok. Bah, j'attends que tout le monde sorte pour parler avec lui. Je vous fais sortir les autres. Vous attendez en bas. Oui, est-ce que je peux poser une question à Tin Sirit avant de quitter la pièce également ? Oui, bien sûr. C'est est-ce qu'il y a dans l'arbre cœur quelqu'un qui s'occupe des oiseaux comme ça ? Est-ce que par exemple le système d'envoi de messages par oiseau, par corbeau, par pigeon, c'est quelque chose qui se fait chez eux et qui s'en occupe ? Alors, il te répond que oui, c'est quelque chose d'assez commun. Qu'en soit, Sindoril est une capitale, donc il y a énormément de marchands et de personnes, et que il y a des quartiers un peu de messagerie comme ça, mais qu'il connaît pas toutes il les pas personnes un nom susceptibles. Okay. Non, il aurait pas. Et on pourrait aller se renseigner auprès d'une de ces personnes justement pour savoir un peu comment et entraîner un oiseau pour exactement. Savoir comment. Ok. D'accord. Bon je le remercie puis je quitte sa maisonnée. Il te remercie. Avec, vous attendez avec en bas autres. En fait dans le ouais. Dans le salon. Ok. Ah, il y a un oud. Je joue du oud. Ok. Pardon. Tu sais en jouer ? Non. Ok, d'accord. Bon, tu ping. Ça va être un ravissement pour mes. C'est moche. Bale, on va se mettre à l'écart. Yep. Je vous écoute. Je lui demande à ce que les gardes partent de son chez lui. Alors il m'a dit évidemment qu'il a toute confiance, mais j'aimerais pour les questions d'intimité. Ok, partent. C'est bon. Et du coup voilà, je lui fais part comme il avait dit voilà l'équilibre tout ça côté des le côté un peu ambigu et tout. Je lui fais part de mon démon. Voilà, je lui dis écoutez en fait j'aimerais vous parler d'une chose assez personnelle me concernant et j'aimerais que ça ne se sache pas en dehors de mes compagnons, qui eux sont au courant, mais je ne suis pas sûr que la connaissance d'un tel élément en dehors de vos oreilles, qui j'imagine resteront discrètes après derrière que je vais vous révéler, c'est que je suis possédé par un démon. Et c'était de ce que j'ai compris, j'ai essayé de comprendre qui était en moi. Et il s'avère que c'est une femme, a priori, qui, de ce que j'ai vu, a
a cherché à s'emparer en fait d'une dague. Une dague dorée, mais qui d'où il émane en fait une puissance sans égale. Et j'ai l'impression que cette même personne avait une position assez élevée, quitte à haranguer en fait des hommes contre des orques. Et ensuite, je ne sais pas plus. Cette présence qui est en moi depuis maintenant de nombreuses années s'est un peu repliée. Elle est toujours en moi, j'essaie de la comprendre. Elle n'agit pas forcément toujours en bien. Je lui résiste, j'essaie de trouver un équilibre, comme vous dites. Mais j'ai à cœur de découvrir qui elle était et pourquoi pas l'aider. Et j'ai l'impression que cette dague a un élément central. Et je me suis dit également que cette dague, peut-être qu'elle pourrait nous aider, peut-être même vous aider, contre les orques. Est-ce que ce genre d'élément, ce genre d'artefact vous parle, a priori? Donc, à la mention de ta possession par un démon, tu le vois qui devient livide. Il se retient de te couper la parole. Tu le vois se mordre la lèvre. Il te laisse poursuivre ton histoire. Et après que tu aies fini de lui conter, il prend un moment avant de te répondre. Comme s'il faisait une introspection en lui-même. Il commence sa phrase par sujet délicat dont vous me faites part. À la mention du nom démon, je ne peux m'empêcher de serrer mon épée et de vouloir trancher à tout va. Je suis chevalier, voyez-vous. Il y a des similarités avec ceux que vous connaissez chez les humains. Je suis un certain code de l'honneur qui m'est propre. Les démons sont à l'opposé de cela. Alors entendre quelqu'un côtoyer un démon, cela va contre mes principes. Je rectifie. Alors, il ne s'agit pas de côtoyer. On m'a imposé ça. C'est comme ça, c'est maintenant ma nature. Je vis entre deux rives. Tel est mon destin. Peut-être jusqu'à la fin de mes jours, peut-être que ce n'est pas écrit comme ça. J'entends bien. Néanmoins, ce démon, oui, il m'a fait du mal. Oui, il a tenté de faire du mal, mais je l'ai à chaque fois empêché parce que je trouve que, comme je vous l'ai dit, le but c'est d'avoir un certain équilibre. Et lorsque je trouve que ce n'est pas quelque chose d'équilibré, je m'y refuse. Et si je dois perdre la vie, je la perdrai. Ça me dérange pas. Néanmoins, vous dites que le fait de connaître l'aspect de démon, enfin rien que d'évoquer les démons, ça vous met donc dans un état second. Néanmoins, je vais vous poser une question. Avez-vous connu un démon ? Personnellement ? Écoutez, Bale, avant de répondre à votre question, je vais juste terminer ce pourquoi je vous disais ça. À la mention de ce que vous m'avez dit et à la mention de cette engeance, mon premier réflexe est de trancher une tête. Rassurez-vous, ce ne sera pas votre cas. Vous m'avez prouvé bien par le passé le bon qui était en vous, ainsi que votre force d'âme. Je vous crois tout à fait capable de pouvoir résister à cette engeance. Seulement, je tiens à vous avertir, et de mon expérience, car oui, j'ai déjà croisé la route de démons. Ce sont des êtres nés du chaos et du mal pur. Et sur le long terme, ils gagnent toujours. Si vous les laissez cohabiter en votre sein,
où vous allez vous faire ronger petit à petit, où ils prendront de la force, jusqu'au jour où vous baisserez votre garde et ils prendront le dessus. Ils n'ont que faire de vos attentes. Seul leur but les intéresse. Ce sont des êtres extrêmement intelligents qui ont l'éternité devant eux. Ils peuvent attendre très longtemps avant de manifester leur but. Prenez garde, Bale. Ne les sous-estimez jamais. Le mieux est pour s'en débarrasser et de se rapprocher de personnes ayant les compétences. Les prêtres de haut rang sont les plus à même de faire cela. Quant à cet artefact dont vous m'avez parlé, il faudrait que je fasse des recherches avec les informations que vous m'avez données. Malheureusement, je ne suis pas bien versé dans l'histoire, dirons-nous. Par contre, une chose est certaine. Si ce démon convoite cette arme, ne pensez pas pouvoir l'utiliser pour nous aider. Cela aura l'effet inverse. Je ne sais pas si elle convoite cette arme. J'ai l'impression que la personne qui est en moi était une femme auparavant et qui a effectivement recherché cette arme-là et qui est un peu la cause de sa mort. Vous pensez qu'une telle arme existe ? Une arme qui peut permettre de changer une personne en démon ? Je pense que tout existe. Je pense qu'il existe des armes capables de changer les personnes en démons ou en spectres. Je pense que des armes sont capables de détruire des armées entières. Je pense que des armes sont capables de venir à bout de dragons. Je pense que tout existe en ce monde, y compris des traîtres au plus haut de notre état. Ok, donc elle assimile ce qu'il lui dit et puis elle est sur le point de le quitter, elle le remercie. Et puis elle fait savoir que si elle demande ça, c'est quelque part, c'est pas tant pour se débarrasser de son démon, mais c'est en même temps pour l'aider. Dans le sens aider, c'est parce que ce qu'elle lui fait expliquer, c'est que elle ressent finalement, elle a ressenti une certaine tristesse, une certaine douleur de son hôte quelque part, et qu'elle aimerait finalement mettre fin à cette douleur. Mais voilà, elle a du mal à expliquer ça, mais c'est un peu la manière dont elle aimerait finalement avancer sur son épineux problème de cohabitation. Forcé, mais cohabitation quand même. Voilà. Ok, il te remercie d'avoir partagé cette intimité avec lui. Et il te met en garde à nouveau d'être vigilante et qu'il sera désormais attentif à tout signe de corruption. C'est pas du tout une menace. Presque comme rendre service à un ami. Ah ouais, elle hoche la tête et elle fait signe de la main, elle lève la main sans se retourner pour lui dire merci. Ok. J'ai oublié de demander un truc à Tinsirit. 20 minutes s'est écoulée et Bale vous rejoint. Ok. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a raconté comme connerie en 20 minutes ? Tu dis ça ? Ouais, je dis ça, ouais. Elle fronce ses sourcils, tu vois qu'elle fronce ses sourcils et qu'elle a même pas, en fait, elle a même pas envie de répondre. Enfin, elle dit évidemment, enfin, tu sais, elle dit plus à elle-même que pour toi. Ouais, évidemment. Voyez, ça commence. Siobhan, j'étais en train d'entendre que tu disais, t'as oublié de dire quelque chose à Tinsirit. On sait ce qui est devenu Nahelwe.
Elle est retournée à ses activités, la soigneuse qui l'accompagnait. Malheureusement, tu n'as pas pu demander à Tinsirit. Tu peux gueuler depuis l'étage du bas. Hein. Mais après, si tu veux retourner le voir pour lui demander, tu peux. Ah bah, pourquoi pas, oui. Je peux faire quelques pas. Oui, tu peux très bien. La porte juste après Bale. Ouais. Tu t'avances, du coup, tu lui dis quoi? Bah, je le questionne que sur Nileway, que la soigneuse qui l'accompagnait, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, Nileway officie dans un temple non loin pour guérir certains blessés de la guerre contre les orques. Et vous pensez qu'elle pourrait faire quelque chose pour les membres amputés ou pas? Je pense que de toute façon, les personnes ont probablement été conduites au temple où elle officie. Quant au fait de faire quelque chose, malheureusement, je pense que, mis à part soulager leur douleur et leur peine, si vous sous-entendez de refaire pousser le membre, il est trop tard. Oui, ok. Bon. Ces elfes porteront les vestiges de la guerre contre les orques désormais à vie. Ce ne sont malheureusement pas les seuls à porter ce type de vestiges dans notre capitale et au sein de notre peuple. Bien, je le dérange pas plus longtemps et je retourne rejoindre mes compagnons. Ok. Bien. Vous vouliez peut-être discuter entre vous de la marche à suivre. Bah oui, pourquoi pas. Ma façon. Oui, là, de toute façon, on peut s'installer chez lui finalement. Oui, vous avez juste là, vous avez une chambrée. C'est la petite chambre. Ouais. Eh ben, cool. Vous avez des coffres où vous pouvez disposer de vos affaires, etc. Ok. Moi, je prends un lit bleu. Ok. Par quoi on commence? De toute façon, entre le fait d'acheter de la poudre d'argent. Non. Non, on nous a filé l'argent, c'est tout. L'argent nécessaire, oui, c'est vrai. Donc il y a la poudre d'argent achetée. Ensuite, il y a le coup des corbeaux. Moi, j'ai ma course à faire peut-être. On pourrait aller au temple là où est Nailway pour interroger les otages qui ont été conduits pour savoir si eux ils ont des informations à nous communiquer sur l'organisation au camp, s'ils avaient des choses à nous dire qui pourraient être utiles à Tinsirit. On peut aller chercher un spécialiste des oiseaux. Ok. Ah, on pourrait demander à Nailway d'assécurer en potion de soin. Ah oui. Ah, et puis il faut qu'on aille livrer les tiennes d'ailleurs. Potentiellement. Bale, est-ce que tu nous parleras de la conversation que tu viens d'avoir avec Tinsirit? Est-ce que c'est un sujet qui peut nous concerner? Tu veux bien m'en dire plus? Je veux bien m'en dire plus. C'est genre le petit coup de coude. Allez, viens maman. Tu vas la cracher ta Valda. Alors je signe à Sioban. Alors est-ce que je vais réussir le signe? Est-ce qu'on fait un jet de Non, c'est bon, t'es compétente maintenant. Ah oui, à ce moment-là. Tu me l'envoies MP. Non, mais en fait, je te fais un signe pour elle dire. Une forêt, elle devient compétente, n'importe quoi. Mais non, non, en vrai non, en vrai non. En fait, je te fais un signe pour dire plus tard. Ok. Du coup, on va voir Nileway, ou on passe d'abord par le côté e-shop, ne serait-ce que pour. Enfin, e-shop commerce. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va voir Nileway. On va voir Nileway en premier. Moi, je suis. Pour les otages. C'est ça? Pour les otages, ouais. Alors, je mets pour question otage. Et potion. Question otage, question. Alors, ah oui, question otage ou question prisonnier? C'est à qui que vous voulez poser les questions? Non, ouais, sur les anciens otages en fait. Les trois qui étaient dans la tente ou les prisonniers qui étaient dans la cage?
Plutôt ceux qui étaient... Bah, tous éventuellement, mais avec une priorité pour les trois qui étaient dans la tente. Ok, donc là, les trois, il y en a un qui est décédé. Les deux autres qui étaient des femmes ont été escortées dans leurs familles respectives, des familles nobles, qui ont un siège au conseil, par des gardes d'Islaine. Donc ils ne seront pas au temple de Nileway. Je préfère vous... Enfin, ça, vous, vos personnages le savent, même si les joueurs n'ont pas pigé. Les personnages le savent. Parce que vous êtes trop bêtes. Non, mais, rien n'empêche de voir les familles, histoire d'avoir un petit peu de retour. C'est Gwen qui demande ça. C'est Gwen qui demande ça, histoire de s'assurer que tout va bien. J'ai même temps de se faire voir. Pour plus de facilité, ceux qui étaient dans la cage, pour l'instant, ils sont tous chez Nailway. Ceux qui étaient dans la cage mal en point, qui avaient besoin de soins, oui. Ouais, ok, d'accord. Parce que sinon, ensuite, on ira effectivement dans les différentes familles, on ira toquer aux portes pour prendre des nouvelles. On amènera des fruits. Et récupérer un peu d'argent, quoi. Alors, on vous a aidé, hein. Pour information, ceux qui étaient dans la cage et qui étaient blessés, vous n'êtes pas sûr de pouvoir en tirer quelque chose, enfin, en tout cas, du trajet que vous avez fait, etc., ils vous semblaient passablement abattus. Après, vous pouvez toujours essayer, vous vous dites, mais voilà, ils n'avaient plus la force combative que vous aviez, par exemple, avec les quelques soldats qui vous ont accompagnés. Ok, donc finalement, les otages, c'est peut-être pas la peine, vaut mieux privilégier les deux femmes qui étaient dans la tente. Ouais, mais il reste toujours la question des la potions. Ça peut être intéressant de voir Nailway, et puis on discute, on papote. Le spécialiste des oiseaux. L'ornithologue. Et quoi d'autre, on a dit? Bah après, il y a le côté... côté marchandises, pour acheter la poudre d'argent. Ah oui. Alors, vous voulez procéder dans quel ordre? Bah justement, j'étais en train de faire une liste des tâches et puis ensuite. Et bah écoute, on pourrait commencer par aller voir Nailway et lui poser la question sur les potions. Ouais. Ensuite, aller voir les femmes. Ensuite, aller voir les femmes qui étaient dans la tente pour leur poser des questions. Mm-hmm. Ensuite, aller voir le spécialiste des oiseaux, lui demander comment ça se passe pour le dressage, et voir si l'achat de poudre d'argent est toujours nécessaire. Oui. Pas faire l'inverse, c'est tu vrai. Vas pas acheter la poudre d'argent et ensuite se rendre compte qu'en fait, l'oiseau, il était juste hyper intelligent. Et ensuite, il y a la livraison des potions de Bale. Ça, c'est pas forcément... Mais pas ça, c'est pas ça. Bale, on pourrait... Mais non, parce qu'on doit d'abord questionner Nailway sur le contenu des potions. Oui. C'est vrai. Bon, on fait Nailway, on peut pas les livrer. On va les livrer. Ah mais on va les livrer d'ailleurs, c'est moi qui les livre, mais j'ai jamais précisé quand. Je peux le dénoncer à la garde tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. <Que c'est... rire> Alors, un, tu on peux. Va voir Nailway. 2, on va voir les femmes qui étaient dans la tente. 3, on va voir le gars des oiseaux. 4, on ira peut-être acheter de la poudre d'argent. Et 5, on forcera Bale à livrer ses potions. Alors, que dalle. Il faudra me passer sur le corps. Oui, madame. Bon, et eh ben écoutez. Ok. Eh bien, du coup, vous mettez en quête de Nailway au temple que vous a que t'as indiqué Tinsirit, Siobhan. Et donc vous redescendez au niveau de l'altitude. Et vous arrivez au niveau d'un temple. Vous auriez pas pensé à premier abord que c'était un temple, parce qu'en fait, son entrée est très discrète, cachée sous les ramures d'un chêne. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il n'est pas... Il est partie intégrante du chêne. En fait, une porte est encastrée dans le tronc, intégralement... sculpté dans le bois avec des liserés aux allures elfiques et quand vous pénétrez vous êtes impressionné par la hauteur sous plafond. Il y a au moins 8 mètres en fait de hauteur et
c'est assez chaleureux et vous voyez que le temple en fait a été aménagé un peu pour accueillir les blessés liés à la guerre qui fait rage. Donc des lits sont entreposés et derrière un rideau vous suspectez que ce sont les blessés un peu plus graves. Là, ceux que vous voyez la majorité en train de dormir, ou alors quand ils sont réveillés, vous les semblez pas souffrants, enfin ils vous semblent pas souffrants. Et alors que vous cherchez du regard, au bout de quelques instants, vous avez percevé Nailway qui vous a vu et qui vient vers vous. Ah, très chers amis, vous voilà de retour. Donc nous, à notre retour, on la salue chaleureusement également. Et on vient voir finalement comment elle va, comment se passe l'accueil des blessés. Et on lui parlera aussi de la cargaison et du contenu des potions qu'on a en livraison. Ok. Quand elle s'approche de vous, elle met son bras sur ton avant-bras. Shioban, et vous la sentez sincère, elle vous dit « Je suis soulagé que vous soyez de retour entier. Aram est-il rentré avec vous ?» Pas encore. Alors, on lui explique non, que finalement, on a été au contact des crocs brisés pour libérer des otages qui sont alors qu'il est dans leur famille ou dans son temple en train de se faire soigner. Elle a dû en avoir vent. Et tout que comme nous étions poursuivis à la sortie du camp, Aram avait fait le choix de détourner l'attention de nos adversaires pour nous laisser prendre la fuite. Et courageusement et fougueusement, il s'était enfui dans les bois pour que les wargs et les orques le poursuivent. Vous voyez une ombre passer sur son regard, mais elle se reprend très vite. Je ne doute pas qu'il fera le nécessaire pour rentrer en vie. Bien, que vous fallait-il exactement? Disons que Belle, elle lui montre, elle avait pris une des potions qu'elle a mis dans sa besace pour pas spécialement montrer la cargaison, parce que bon, c'est un peu, c'est, voilà, bref. Et donc elle lui montre, est-ce que vous sauriez nous dire à quoi ça correspond? On essaie de percer ce mystère. Alors elle regarde Zazo, mais on a eu un manque d'intelligence. Ce qui est factuellement vrai. Ça se paiera. Eh bien, écoutez, je ne suis pas spécialisé dans l'identification des objets magiques, mais j'ai déjà vu ce type de potion au sein des pratiquants de la magie, et cela ressemble à une potion de protection contre un élément. Probablement, au vu de la potion électricité, je dirais. C'est ce qu'il me semblait aussi. Merci pour votre expertise, Nailway. De rien. Et donc, du coup, je serre les dents et puis je vais au niveau de Gwen. Je dis, je savais bien qu'il m'avait menti, ce con. Très bien. Et est-ce qu'elle en est sûre, ou elle peut nous indiquer quelqu'un qui pourrait nous le confirmer? C'est mon premier avis, enfin c'est mon, comment dire, une impression, mais il faut faire confirmer cela auprès d'un expert si vous voulez l'exactitude des capacités de cette potion. Vous pouvez aller au quartier haut, vous trouverez sans doute des mages pratiquant l'identification contre une modique somme.
On va prendre l'argent de Tinserid pour ça. Vendu. On verra. Aviez-vous besoin de soins, chers amis? Elle fait du soin gratos. Je serais par contre un petit complément, ouais. Un petit complément. Ah bah pareil. Je veux bien une petite caresse magique, délicate. Une petite caresse magique. Une petite tape sur la tête pour ceci dit, il y a Podrick, il est un peu déçu parce qu'il fait des massages de pieds, lui. Ouais, mais là je crois qu'il va falloir un peu plus qu'un massage de pieds pour Siobhan. Et elle a filé toutes ses baies, Siobhan, elle a été cool et. Et Maître des Terres. On va dire qu'il est courbaturé. Alors. Je veux pas dire, mais c'est marqué nulle part les capacités de Podrick dans sa fiche. Hein. Nul. Y'en a pas. Bah si, il y en a 4 qui sont marqués, que j'ai jamais d'ailleurs entendu qui que ce soit utiliser comme désarmé, etc. Enfin bref. Mais. On a pas le temps. Mais le reste, y a pas. C'est pas bien. C'est nul. Attends, c'est où? Toc. Donc 2. 2d8. Plus 8. Tu récupères 14 points de vie, Siobhan. Elle te pose la main sur toi. Et Zazo, la même chose. Tu récupères 17 points de vie, Zazo. J'en avais besoin que de 7. Vous entendez une petite prière à une divinité elfique. Est-ce qu'elle restaure les PM aussi? Ah, ça, malheureusement, non. Peut-être pas pousser mémé dans les orties. Non, mais j'utiliserai un point de récupération plus tard. Bah, Déter s'approche d'elle et lui demande si lui aussi il peut bénéficier de ses capacités. Bien sûr, chevalier. Par contre, je n'ai malheureusement plus de sorts aussi puissants que ceux que j'ai lancés sur vos compagnons. Mais je pense que cela fera tout de même effet. Vous n'avez pas l'air trop esquinté. 12 points de vie. Merci beaucoup. C'est normal. Vous aviez autre chose à faire avec Nileway ou pas? Du coup, je sais plus. Non, c'est bon. Du coup, c'était juste pour identifier les potions. Pour gratter des soins, j'ai compris. Et pour gratter des soins, est-ce que on va quand même lui demander si parmi les personnes qu'on a ramenées du camp, parmi ces personnes qu'elle a pu soigner, est-ce que certains se sont exprimés sur la situation là-bas, sur ce qu'ils ont pu vivre? Est-ce qu'ils lui auraient confié des choses? Uniquement des choses horribles. Est-ce que des personnes les ont interrogées? C'est-à-dire, vous voulez savoir si elles ont été interrogées une fois arrivées ici ou si elles ont été interrogées par les orques là-bas? Non, une fois arrivées ici. Là-bas, je ne doute pas qu'elles aient été interrogées, voire... Oui, les autorités leur ont parlé, mais je crois qu'elles n'ont pas pu en tirer grand-chose de recevable. Leur récit corroborait tous à peu près. Ils ont été capturés aux abords du camp. Ce sont souvent des éclaireurs et ou d'anciens habitants de la Tuléa. Et ils ont été torturés par les orques pour leur bon plaisir. Vous savez, la cruauté de ces engins, c'est sans limite. J'aimerais poser une question à Naelwe en parlant de cruauté et tout. Je lui demande si il est possible qu'une personne se transforme en ours. Je lui explique qu'il y avait un gros ours d'une férocité rare qui a été enchaîné et qui était en fait était devenu une sorte de spectacle auquel
les orques se livraient à un combat pour essayer de l'achever, de le tuer, comme divertissement. Et je me demandais, est-ce qu'il est possible que ce soit plus qu'un simple ours, que ce soit finalement une personne? Je jette un regard discret à Sioban en disant, est-ce que ça pourrait être aussi une personne? Ou ça peut être simplement, entre guillemets, qu'un simple gros ours? Et donc Nailway te regarde et fait... Une question délicate. Je ne sais s'il existe des possibilités de se transformer. Je crois que certains druides peuvent faire cela. Malheureusement, ce n'est pas ma voie. Sioban, peut-être avez-vous quelque chose à apporter à ce niveau-là? Sioban, d'avoir entendu la question de Bale, son sens glace. Et elle réfléchit au récit qu'il a pu faire de cet ours finalement qui combattait des orques. Et elle est en train de fouiller dans... dans le manuel du jeu. Elle est en train de fouiller. Elle a déjà entendu des histoires de personnes, enfin de druides qui se métamorphosaient. Mais de son vivant, elle en a a priori jamais vu. Elle en a jamais été témoin. Mais elle sait que c'est possible. T'as vu les MP que je t'ai mis ou pas, Sylvain? Yes. Oui. J'ai même vu. Je me suis foiré, mais bon. Du coup, je vais peut-être reformuler une question par rapport à ça. Donc, c'est une possibilité, et je vais enchaîner. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient capables de ce genre de ce tour de force, de cette magie? Vous voulez dire expliquer... en dehors des druides? Oui. Bien écoutez, je pense que les druides en sont capables, mais je pense qu'un prêtre versé dans un dieu de la nature pourrait l'être aussi. Mais ce serait quelque chose de haut rang, pas le commun des mortels. D'accord, je la remercie de son éclairage. AFK 2 secondes. Yes. Ah oui, effectivement, vérification dans ses souvenirs, oui, il y a certains druides qui, à des niveaux assez avancés, peuvent prendre la forme d'un animal qu'ils souhaitent, évidemment. Ouais, mais en fait, moi, je pensais... En fait, sur le moment, j'ai pensé aux druides, mais je pense... Finalement, Belle, elle ne pense pas aux druides au final, hein, en premier temps. Ah. Elle pense à une autre personne qui peut se transformer en ours, mais elle n'aura jamais la réponse sur... c'était qu'un simple ours ou finalement quelqu'un qui était là en bête de foire, quoi. Heureux. Alors, ok. Je vous aviez fini avec Nailway, je crois. Vous vouliez vous rendre où après? Au niveau des familles, hein. Eh bien, oui, on avait décidé qu'on irait voir les familles, des deux nanas là qui étaient dans la tente qu'on a libérées. Ouais. Pour aller leur poser des questions. Ok.
Il n'y a pas le petit machin là au milieu. Hein. Attends, je vous ai pas switché sur le truc, mais je vous switch sur la carte. Il n'y a pas de, de sanglier au milieu. C'est juste une image de décoration. Vous êtes au sein de la capitale. Donc, vous allez voir les maisonnées des deux nobles. Donc, du coup, il y avait Erwin Dulfas, qui est la fille de Lorindol Dulfas, et Glindel d'Astar, qui est la fille de Glindor d'Astar. Donc, vous commencez par exemple par Ulfas. Vous allez dans la maisonnée, vous êtes reçu au sein de la demeure. Et du coup, vous retrouvez la jeune fille qui avait perdu son œil. Elle vous avait appris que c'était suite à un coup trop appuyé du chaman. Et elle vous remercie chaleureusement de l'avoir sauvée. Belle, elle hoche la tête. Enfin, elle le regarde, elle la regarde, et puis elle hoche la tête. Vu que c'était un peu elle qui l'avait sauvée. Enfin, voilà. Vous vouliez lui demander quoi? Déjà, si elle peut nous donner des informations sur ce qui s'est passé pendant qu'elle était captive. Notamment des conversations qu'elle aurait entendues ou des noms de personnes, notamment des noms de personnes non orques, c'est-à-dire des personnes elfes. Ou si elle a vu passer des gens. Voilà, si elle a vu passer des gens. Surtout comment elle s'est fait capturer, parce que je pense dans la tente, ça parlait surtout orques, et je ne suis pas sûr que... Vous ne parliez pas orques à tout hasard, Lorindolf. Non, malheureusement... Je ne comprenais pas le langage de ces monstres. Écoutez, je comprends votre démarche d'essayer d'obtenir le plus d'informations possible. La seule chose que je peux vous apprendre, chose qui m'a marqué, c'est qu'au moment de mon enlèvement, à travers un trou du tissu qui m'a été mis sur la tête, j'ai pu voir un de mes ravisseurs. Distinctement, je revois le visage d'un haut elfe chauve dont l'oreille droite était percée d'un bijou figurant une lance d'argent. Alors, chauve, oreille droite, lance d'argent. Et vous seriez prête à témoigner devant un jury, une assemblée qui vous reposerait cette question? Bien sûr. Très bien. Eh bien, merci pour votre collaboration et bon rétablissement. Merci à vous. Bale, c'est ça? Elle hoche la tête, c'est ça. Encore merci. Et du coup, vous allez voir, je suppose, l'autre... Otage, ouais. En lui posant les mêmes questions. Et du coup, elle, elle vous apprend que la carriole, après son enlèvement, s'est arrêtée un long moment devant un lieu passant à l'extérieur de la broker. Et pour le coup, ce qu'elle a retenu, c'est que il semblait flotter dans l'air une odeur enivrante de myrtille. Oui, elle a trouvé ça particulièrement étrange. On n'avait pas déjà entendu parler des myrtilles? Exactement, si, ça me dit quelque chose, le terme de myrtille. Il y a un moment où ça sentait la myrtille ou un truc comme ça. Tout à fait. Si je peux me permettre... Pourquoi vous ne prenez pas avec le boulanger de Monastir qui faisait des tartes à la cerise? C'est le même, c'est lui en fait. Ou alors c'était... Quelqu'un qui avait un parfum à la myrtille ou tout comme ça. Bah c'était pas la nana là qui avait essayé d'agresser qui avait essayé d'agresser dans la grange comment elle s'appelait? Non, j'ai pas. Je sais plus, mais bon, ça me dit un truc. C'est louche. C'est louche, effectivement.
Et t'allais dire quelque chose à Brock? Bah, il me semble que elle vous l'avait déjà raconté, ça. C'est peut-être ça qui vous fait... Peut-être. Un peu un déjà vu, la question. Ouais. Un déjà vu. Déjà vu. Bah, après, elle a pas... Tout le reste de ce qu'elle vous raconte n'a pas... N'est pas... n'a rien de notable, ouais. Ok. Et du coup, vous mettez un terme à votre entrevue. Et vous vouliez... Je crois que vous aviez une idée de... De procéder... avec la cage à corbeau, il me semble, vous m'avez dit. Ouais. Ouais, on va essayer d'acheter. C'était quoi l'idée? D'aller voir un oiseleur finalement, pour lui demander comment. Oui. Si on veut lui demander déjà ce qu'il pense de l'oiseau. Ouais. Et lui demander si on veut retrouver la personne, enfin là où les personnes que l'oiseau est censé contacter, qu'est-ce qu'il ferait à notre place pour nous permettre de trouver cette personne sans forcément éveiller ses soupçons. Alors, donc vous trouvez assez facilement une personne de ce type parce que c'est quelque chose d'assez classique dans la capitale. Et celui-ci vous renseigne en vous disant que le meilleur moyen pour savoir qui est le propriétaire de cet oiseau, c'est tout simplement... Ah, attendez, je crois que Bale est... T'es là, Bale? Bien sûr. Ah, ok. Je te vois plus sur Roll20. C'est tout simplement ah bon de... Il est revenu. C'est tout simplement de lâcher l'oiseau qui, normalement, reviendra à bon port et donc chez son propriétaire. Et encore faut-il pouvoir le suivre, quoi. Effectivement, cette tâche est plus ardue qu'autre chose. C'est ce que nous dit le spécialiste, donc. Tout à fait. C'est les oiseaux qui sont entraînés à retrouver un objet précis ou quelque chose qu'ils ont enregistré visuellement ou olfactivement et qui savent s'y retrouver. Alors justement, est-ce que le corbeau pourrait être nourri avec des myrtilles? Oh, bah, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager, oui. Je pense que... Nourrir le corbeau qu'avec des myrtilles, ce ne non, serait mais pas... Disons que l'attirer avec des myrtilles pour qu'il retrouve son chemin. Alors, c'est les corbeaux, c'est différent d'autres animaux tels que les chiens. Ils ne marchent pas à la récompense. Ils sont plus intelligents que ça. C'est plus... C'est plus, on les éduque plus en termes de jeu, d'accord. Satisfaire leur curiosité, plus ce genre de choses. Ok. Très bien. Est-ce que il a vent de personnes qui utilisent des corbeaux en particulier c'est vraiment commun? Le corbeau, c'est très commun. Okay. C'est un animal qui, les pigeons sont fidèles, peuvent parcourir des longues distances. Les corbeaux sont plus précis et plus intelligents et puis ils peuvent côtoyer tout type de terrain, dirons-nous. Très bien. Eh bien, je vous remercie. De rien. Ok, donc là, on quitte son échoppe finalement et je m'adresse à Bale et je lui dis, je voudrais lui parler de l'amulette qu'il a pris au chaman. Tu l'as toujours avec toi? Oui, madame. Ok, est-ce qu'on pourrait la montrer au corbeau pour voir sa réaction? Bah oui, vous pouvez tout à fait. Admettons par exemple que je fasse semblant de mettre l'amulette à mon cou, est-ce que le corbeau a une réaction en me voyant? Aucune. Aucune. Ok. Ah, ah. Ouais. Ah. Il met bien le corbeau, hein.
En fait, on peut très bien, Bell les propose, on peut très bien demander aux gardes auxquels fait confiance, plus particulièrement Tinsirit, de nous épauler si jamais on lâche le corbeau pour qu'il le retrouve. Ouais. Je pense qu'on sera pas de trop si on a en plus de nous plusieurs autres personnes. On a la chauve-souris aussi. On a la chauve-souris, il y a Gwen, et oui, c'est vrai, on peut demander à Ryul de suivre le corbeau. Et de toute façon, Gwen, finalement, via les yeux de sa chauve-souris, verrait où va l'animal. Exactement. Et comme ça, elle pourrait avertir le groupe et les possibles gardes supplémentaires de Tinsirit. Et je pense que ce qu'il va falloir, c'est que si nous sommes dans une société avec des règles et compagnie, avoir quelqu'un qui puisse nous autoriser à appréhender la personne. Parce que je suis pas sûr que si nous, en tant qu'étrangers, on arrive, on dit « bon, on va t'arrêter », ça soit recevable. Donc si on va faire ça correctement, il faudrait peut-être que... je sais pas, qu'on trouve quelqu'un qui puisse potentiellement arrêter la personne pour suspicion de haute trahison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais s'il y a un moindre vice de procédure, ça peut être retourné contre nous et donc contre Tinsirit. Mmh. Et j'avoue que ça me ferait chier qu'on ait fait ça, tout ça pour rien. Effectivement. Donc à voir comment ça se... Comment donc, ça se passe. Du coup, vous mettez en place un stratagème avec les gardes de Tinsirit pour qu'ils vous épaulent afin de suivre... L'oiseau. Mais par contre, vous avez parlé de... Est-ce qu'avant de faire ça, on n'irait pas rendre visite au mage pour conclure avec cette histoire de potion? Oui. Ouais. Et ensuite les livrer. Parce que si la destination des potions a un lien aussi avec leur fonction, ce serait intéressant de pouvoir tout lier. Allez, on peut. Alors, donc du coup, vous allez dans une échoppe, je suppose, de magie. Un officiant pratiquant de la magie vous demande ce pourquoi vous venez. Je suppose que vous lui demandez que vous voulez faire une identification d'objet. Bah, alors, oui et non. Alors, oui et non. Comment ça? Alors, c'est juste... C'est pas tellement une identification, c'est plus une confirmation. En fait, je sors la potion et je lui dis, surtout de la conversation, vous me croirez si quelqu'un m'a dit que ça c'était une potion de soin? Alors, en fait, c'est pas du tout une potion de soin, on est quand même d'accord que c'est une potion de défense une défense élémentaire sur le côté électrique. Enfin, vous imaginez quand même un elfe qui me sort que c'est une potion de soin, ça? Ça sent le jet de charisme. Vous voulez que je l'identifie pour vous? Ah mais j'ai pas besoin de l'identifier, vous êtes d'accord avec moi? Elle lui agite la potion devant les yeux. Pour être d'accord avec toi, il faut qu'il l'identifie. Ah non, mais je veux dire simplement visuel. Si Naelwe, elle a su dire comme ça, a priori, que c'était pas une potion de soin, pour un mec qui s'y connaît largement plus qu'elle, en fait c'est juste sur la tour de la conversation, mais pas spécialement à lui, mais je le prends à part. Je le prends à part, en fait, pour dire, vous êtes bien d'accord. Mais c'est pas l'arnaquer. Bah si, tu essaies d'obtenir de lui une identification sans payer l'identification. Alors, c'est pas une identification, je le prends à part. Vous voyez que l'elfe, il fait « Oui, oui, écoutez votre ami gnome, hein, pour moi, ça me semble être ça. Hein. » C'est-à-dire ça? Eh ben, vous essayez d'obtenir un service gratuitement. et là, du coup, je me retourne, parce que du coup, je ne le regardais pas spécialement, mais je vous ai rien demandé. Alors, je m'en vais. Enfin, et je m'en vais et je peste contre Zazo. Enfin, je veux dire... Le gnome qui peut pas s'empêcher de ramener sa fraise.
C'est ça. Moi, je me tourne vers l'elfe et je lui dis excusez-la, elle a la malhonnêteté dans la peau. C'est rien. Il y a Gwen qui dit non mais t'abuses en plus Azo, putain. Gwen, elle prend trop la défense de Bail. Bah oui, attends, je vais en profiter, elle est pas là, elle attend toujours toi. Vous avez quitté les shops ou pas? Ah bah Bail est sorti. Ouais, ouais, Bail est sorti. Sioban, ils t'ont laissé comme un père. Ouais, je vois ça. Bah, je vais en profiter. Non, Gwen n'est pas sortie. Moi, je demande à l'elfe s'il en a assez vu pour faire l'identification ou si. Et combien il nous demanderait de le payer pour pouvoir faire une identification correcte, ou faut-il qu'il ait encore la potion en visu ou carrément dans la main pour nous dire? Ah, il me faut l'objet, mais une identification, c'est, la somme est de 10 pièces d'or. Bon, la somme, je peux la payer, mais... Nous allons vous régler, monsieur le mage. je en fais mon affaire, je récupère la potion pour vous la montrer de plus près. Très bien. Sioban quitte les shops, va voir Bail, demande à Bail. Lui met une grosse tarte dans la gueule. Et tu vas la donner ta potion. Non mais en plus, je lui donne, mais ça, en fait, ça l'énerve profondément parce que. Donne-moi ça, ce sera. Mais c'est pas une question de fierté là, c'est combien. Elle lui prend demande, la potion, elle c'est combien, c'est combien. Terminer sa phrase et elle c'est repart dans la boutique. Tu le sauras pas. Elle repart dans la boutique et donc elle donne. La potion au mage pour l'identification. Ok, donc celui-ci balance 2-3 formules et du coup il prend, on va dire, 20-30 minutes, vous le voyez en arrière-boutique en train d'analyser l'objet. Et il revient vers vous et il vous dit effectivement, je ne connaissais pas de potion de ce genre. C'est une potion de soin qui, en plus de vous soigner, vous applique une protection contre les éléments, et là, en l'occurrence, électricité. Ah, d'accord. Ok. Et vous auriez une idée, vous pourriez nous estimer la valeur de cette potion ? Oh, c'est une potion qui doit valoir quelques centaines de pièces d'or. What? Ok. Très bien. Je lui donne les 10 pièces d'or pour l'identification. Merci, très cher. Je note que Zazo paye. Ouais. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Bon, on va les livrer maintenant. Vous êtes sorti du coup là ? Bah maintenant on sort. Oui. Donc ça fait une demi-heure qu'on était dans la boutique et toi t'as eu le temps de ranger ton frein dehors. C'est ça, je méditais pour pas cramer tout. Est-ce que tu repasses la potion à Bail ? Non. Bah c'est toi qui l'as ou c'est moi ? Non, c'est toi. C'est à moi qui le mage l'a rendu. Donc je vais vers Bail. J'ai la potion dans la main, je lui tends et je lui dis: bon, alors Nailwe avait partiellement raison, figure-toi que c'est bien une potion de soin mais qui présente aussi une protection élémentaire contre l'électricité. C'était les deux. Tu veux la récupérer? Techniquement c'était à moi pour ce travail, je la rends. Merci. Dis merci aussi à Zazo qui a réglé pour l'identification. Mais je lui avais rien demandé à Zazo. Et du coup, l'identification, vous avez pu en tirer d'autres informations sur la potion ? Oui, sa valeur marchande. En termes de jeu, la potion rend 2d8 et octroie une résistance aux dégâts d'électricité de moitié. De moitié. Donc, tout dégât d'électricité, tu touches 10. Ah oui, d'accord. Tu n'as plus que 5. Oui, c'est assez vénère. Ok. Et et donc, du coup, elle regarde ce ban insistant. Et donc, c'est combien ? Eh ben, vois avec Zazo. Il a la réponse. Alors, elle tourne les yeux vers Zazo.
Et donc bah, elle interroge, et donc... Là, c'est comme le mime du mec, le Renoir qui fait avec ses mains, là, comme ça. Ouais, je... Et donc... Et donc, Zazo, il fait toute information à un prix, ma chère. Ok. Et puis, elle part. Voilà. On l'a vexé. Bon, on va faire la livraison. Bah du coup, elle est partie, hein, elle vous attend pas. Hein. Ben on la suit. En fait, elle veut pas aller avec vous. Enfin là, elle boude. Elle boude. Donc du coup, elle va pas chercher le type. L'achat de la poudre d'argent, c'était si jamais l'oiseau était... c'était pour savoir s'il était envoûté. Ensorcelé. S'il était ensorcelé, oui. Est-ce que... Bah, a priori, il est pas ensorcelé du coup. Est-ce que je peux tenter une dernière fois de... Ah non, mais non, ça je pouvais pas, c'était pour les pauvres, c'est vrai. Quoique, détection de la magie, c'est n'importe quoi, non ? Détecte la présence de toute inscription et de tout objet magique situé dans la pièce où il se trouve. Ah non. Est-ce que ça compte comme objet magique un oiseau ensorcelé ? Bon, on dit... Enfin, tu sentirais la présence de magie sur l'oiseau, oui. Ok. Bon, alors allons chercher 100 pièces d'argent, de poudre d'argent. Bon, c'est quelque chose d'assez commun, donc tu trouves facilement dans une échoppe ça. On va pas faire la scène en roleplay, mais voilà. Ok, et donc je lance détection de magie. Voilà. Pour détecter la présence... d'inscription et tout objet magique situé dans la pièce où je me trouve. Et en l'occurrence, je me concentre bien sûr sur l'oiseau. Donc, ni l'oiseau ni la cage ne te semblent magiques. D'accord. Très bien. Donc, j'ai dépensé les 100 pièces d'argent que m'a défilé. Oui. Truc là. Voilà, donc deux éléments dans notre to-do list. Assommer Bale pour pouvoir livrer les fioles sans qu'elle nous casse les couilles. disons que maintenant il faudrait. En fait, on rattrape Bale et le calme est redescendu. On a fait quelques pas quand même dans l'arbre-cœur. On a eu le temps de souffler chacun de notre côté. Et je vais la voir et je lui dis : t'étais vraiment sérieuse pour la livraison ? Tu veux vraiment pas les rendre ? Mais on n'a jamais précisé quand est-ce qu'il fallait les rendre. C'est une livraison, il s'attend pas à ce que tu lui rendes l'année prochaine. Non, et il ne te paye pas parce que tu mets trop de temps. Bah, de toute façon, je gagnerais largement plus que la valeur initiale de la potion. Et puis si j'arrive à trouver un moyen de dupliquer la potion pour également avoir plus que nécessaire. Bah, et comme ça, je livrerai la potion. Et moi derrière, je bougonne en disant tu veux surtout gagner un bon séjour en prison. En quoi ce que je fais est illégal ? Bah on t'a donné une mission et tu refuses, oui, de la remplir. Non mais la mission en fait, encore une fois, il n'y a pas eu la question de combien de temps je vais la mettre. Oui, c'est la question si l'homme que tu dois livrer pouvait nous aider dans notre quête. C'est pour ça que je veux aussi la dupliquer, pour nous. Non, je te parlais éventuellement de parler avec lui. Est-ce que ça pourrait nous être bénéfique finalement pour venir en aide à Tin Sirit ? Et puis depuis quand t'as des capacités en production de potions ? Mais je parlais pas de moi. Enfin là, être retourne, mais je parlais pas de moi. Il suffit d'y avoir des personnes ici qui sont capables potentiellement de dupliquer la potion et de trouver un arrangement commercial. Regarde Gwen et je lui dis, est-ce qu'on arrivera à la raisonner ? Et Gwen, elle te fait comprendre que va peut-être falloir un petit peu de temps avant que Belle soit plus coopérative. Ok, oublions cette histoire de livraison pour l'instant.
On retourne voir Tinsirid pour organiser le lâcher de l'oiseau avec ses gardes. Ok. Ouais. Juste question, vous m'aviez parlé de la chauve-souris, elle suivait l'oiseau ou pas? Bah potentiellement oui, en fait, c'était un peu comme ça qu'on voyait les choses. D'accord. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que là finalement, pour la faire, si tu veux, pour te la faire simple, l'idée ce serait de retourner voir Tinsirid pour lui dire qu'on va, on va lâcher le corbeau pour savoir où il va dans la capitale et qu'on aimerait son aide pour éventuellement poster des gardes un petit peu partout pour arriver à délimiter un endroit. Ok, alors. Et on va lancer la chauve-souris de Gwen à sa poursuite. On va... Ça, Gwen pourra nous dire où est-ce qu'il est. On va accélérer un petit peu parce que vous avez pas mal traîné. Du coup, on dit que du coup, les gardes ont été postés un petit peu partout. Gwen donne les directives à Siobhan et se prépare du coup à courir parce qu'elle n'a pas une portée illimitée, Gwen, par rapport à... On l'a toujours joué avec une portée illimitée, mais en fait, c'est des conneries. Donc, vous lâchez le piaf et à tous les trois, je vais vous demander un test de sagesse, de perception, pour essayer de distinguer la direction que prend l'oiseau. Sagesse de perception. Oh. J'ai joué Gwen aussi. Bale, il a spoté l'oiseau. Là. C'est Gwen qui a spoté l'oiseau. Ah, il faut que je déterre aussi. Ah oui, il faut que je... Alors, déterre... Sachant que comme c'est en groupe, je vais faire un test... Alors, déterre, il a fait 4. D'accord. Et moi, j'ai fait 21. Déterre, il a du pollen dans les yeux. Ok. Donc, vous arrivez à suivre la direction de l'oiseau au départ. Vous progressez au sein de la ville et vous commencez à... Vous êtes parti d'en bas hein, pour le lâcher de piaf et vous êtes monté à peu près d'un étage sur les résidences. Là, vous êtes dans un quartier pavillonnaire. Vous voyez l'oiseau virevolter entre les frondaisons. Vous refaites-moi un test de sagesse, la même chose. Alors... Alors, Déter fait 14. Podrick fait 18. Et Bibi, elle fait 15. Moi, j'ai fait 6 et Gwen, elle a fait 17. Ok. On passe. Vous accélérez le pas parce que l'oiseau commence à mettre de la distance avec vous. Je vais vous demander à tous un test de dextérité. Sachant qu'en plus, il y a pas mal de circulation dans la rue que vous empruntez. Oh, Déter, il a moins 2. Il fait du bruit, clac, 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 clac. Il fait 19. Alors, mis à part Déter qui s'est vautré contre Déter, un passant. Il va utiliser un point de chance. Ok. Déter qui se vautre contre un patient. Contre un patient. Contre un passant. Lapsus. Contre un passant. Et le passant, vous entendez BONG. Le mec, il s'éclate la tête contre l'armure de Déter. Et Déter, il fait oh, pardon. Et puis, il continue sa course. Et je vous demande un dernier test de sagesse, de perception. Pour l'instant, vous avez bien réussi à, dans l'ensemble, suivre la piste, sachant que quand même d'avoir Rioul au cul du corbeau, ça aide. Alors, Déter fait 15, et moi je fais 20. Y a Gwen qui fait 17, bon, Belle 7, elle est pas très sage. Vous commencez à perdre le fil un petit peu du visuel avec le corbeau. Gwen, je vais te demander un test de constitution, s'il te plaît, pour savoir si tu arrives à maintenir la cadence pour suivre Rioul. Ça va, un petit 12. Elle est fraîche, elle s'est reposée. Ok.
malgré ton vieil âge et ton arthrose au genou, tu parviens à suivre la cadence et vous arrivez au bas d'une habitation et notamment d'un arbre, d'un frêne. Un frêne qui ressemble à un buisson géant, très vert, très touffu. Et à la cime de ce spécimen d'une taille remarquable, vous voyez à peine dépasser d'un grand poteau surmonté d'une étrange boule peinte en rouge. Il semblerait qu'une habitation soit lovée dans les branches supérieures, mais on la distingue à peine. Une boule rouge ? Oui. Oh, c'est distinctif, quoi. Ouais. Et ça te rappelle ce qu'il y avait devant la tente des chamans, Bale. Ok, donc c'est un tour de code, quoi, rappel. Ok. Et cette boule rouge, ceci distinctif, est-ce que c'est quelque chose qui se rapproche d'un alphabet primitif orc, quelque chose que je connais? C'est un objet, non? C'est un objet. Très bien. Enfin, on te répond ça parce que, enfin, moi, ça me paraît évident finalement que c'est un espèce de repère visuel pour le corbeau. Oui, mais ça se peut que ça aurait pu être aussi un truc, orc, je sais pas. C'est aussi ce que t'avais vu Zazo devant la tente. Hein. T'as dû le voir, je pense ça. C'est pas une inscription, c'est un objet. Ok. Et une boule rouge. Une boule rouge. Comme une boule de bowling, quoi, rouge. C'est ça. Sur un bâton. voilà. Ok. Est-ce que les alentours ont des odeurs de... Myrtille. Vous ne sentez pas d'odeur de myrtille. Il fait assez sombre dans la bâtisse. Que faites-vous? Est-ce que la garde nous a rejoints? Non. Vous êtes seulement vous. Ok. Il y a une boîte aux lettres, il y a un nom dessus, il y a quelque chose. Ouais, Déter qui a son armure qui fait moins 2 et il arrive à suivre, mais les elfes n'arrivent pas à suivre, quoi. La question c'est, est-ce qu'on prévient quelqu'un d'abord? Ah oui, mais... Est-ce que... Attends. Est-ce que Rioul bah, peut avertir? C'est pas bon d'aller chercher Tinsirit? Bah, Tinsirit, il a... Entre guillemets, il est quand même occupé, sinon il s'en serait occupé lui-même de récupérer les preuves. Après, c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui... Il est à quelle distance, Tinsirit? Tinsirit, il est assez loin, là, il y en a pour au moins... une demi-heure. Ok, ouais, donc à plus que quelques centaines de mètres, quoi. Flout. Bah, déjà, on récupère le corbeau. On le remet dans Alors, sa cage. Alors, le corbeau, il est rentré dans la bâtisse. Hein. Ah, il est rentré? Oui. Alors qu'il avait rien comme message, hein, d'accord. Ouais. Tout à fait. Eh ben, on va peut-être... Rentrer. La bâtisse est assez sombre, on va peut-être frapper, simplement. Faut rentrer. Non, mais il faut voir que toutes les sorties, il n'y avait pas de sortie potentielle, quoi. On rentre pas tous dans une entrée qui ressort de l'autre, quoi. On n'a pas une autre entrée, oui, pas une sortie, quoi. On observe un petit peu les lieux pour s'assurer de sa configuration. On peut faire un jet de perception quand même. Moi, je lance lumière sur mon bâton pour éclairer les lieux. Ok. Et on avance. Je peux faire un jet de perception pour voir s'il n'y aurait pas d'autres points de sortie ou autre. Exactement, ouais. Tu ne parviens pas à distinguer d'autres points de sortie. Ok. Ce qu'elle va faire, c'est que Gwen, elle va demander Rioul de rester d'un point de vue stationnaire au-dessus de la baraque. Ok. Et comme ça... Pas rentrer dedans. Non, pas rentrer dedans, mais dès qu'il y a du mouvement extérieur, comme ça, Gwen sera au courant. Ok. Comme ça, Gwen, elle va rentrer avec eux. Du coup, vous rentrez, Gwen... vous m'avez dit, hein. Ouais, alors Gwen a okay. fait. Alors, ordre de marche. Alors, avant. Alors, oui, bien sûr. Je vais vous demander de déplacer vos tokens. En haut, c'est le premier, en bas, c'est le dernier. Bon. Je suis Nyctalope, je passe devant. Allez, on se dépêche.
Déterre à l'avant. On met déterre devant ? Ah oui. Ah, c'est son rôle. Non mais devant, donc en haut. Oui, deux secondes, ah, c'est oui. Bon. Ah mais lui. Tac. Gwen, peut-être pas tout derrière non plus. Allez, comme ça. Voilà. Et Podrick. Derrière Gwen. Hein. Ou derrière Gwen. Ah hein. Ou derrière. Ouais, derrière. Sio, tu vas en avant. Derrière Gwen, ouais. Comment ? Sio, toi tu te mets en avant. Ben, je suis derrière Déter. Elle se met sous tension, Gwen. Ok. Bon, d'accord. J'aurais pensé que tu resterais derrière Bayle et moi, mais. Derrière Bayle et toi, bah si tu veux, pourquoi pas. Et Podrick tout en dessous, tu le déplaces ? Bah pourquoi tout en dessous ? Parce qu'il est derrière Gwen. On a dit qu'on mettait pas Gwen en dernier. D'accord. Ok. Ok. Elle est moche notre colonne. C'est vrai. On s'en fout, c'est juste pour donner un ordre. Vous pénétrez du coup dans la bâtisse. Déterre en tête. J'ai la rapière à la main, sur tout ça. Arme dégainée. Gwen, elle est sous tension, donc elle a du jus à... De l'électricité donner, qui l'enveloppe. À l'intérieur de la pièce, un haut elfe, très âgé, habillé d'un grand drapé sombre, la peau parcheminée, caresse un étrange oiseau coloré doté d'un gros bec. Il semble lui murmurer une phrase à l'oreille. Dans la petite pièce simplement meublée au premier étage, une grosse vingtaine de cages, baies et un grand nombre d'oiseaux en tout genre en liberté, au moins aussi nombreux qu'il y a de cages, créent un joyeux capharnaüm. Des roseaux fraîchement coupés, mais déjà souillés, ont été jetés au sol. L'homme relève la tête, vous aperçoit, ses yeux brillants d'une intelligence vous cible, et alors qu'il vous voit, celui-ci se saisit de son bâton et le lève. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous avais dit de lui prendre son bâton. Ok, on va se faire un vieux. Heureusement qu'on a fait l'ordre de rentrer. Hein. Je sens un combat contre une multitude d'oiseaux aussi. Un joueur à la Hitchcock. Donc tu fais une boule de feu. Enfin, on se casse, tu fais la boule de feu. Et puis bon, voilà. Rien, ça va sentir le poulet grillé. Voilà pour ce soir. On ne verra pas de sang d'elfe dans l'arbre cœur. Il a Est-ce dit le monsieur. Que les oiseaux, c'est des elfes. Oui. Les oiseaux, non. Mais les vieux elfes à la peau parcheminée, oui. Alors, ça il faut, ou encore faut-il qu'il soit retrouvé mort. Là, on peut dire qu'il y a mort. Hein. Si les morts ne sont plus là, si on n'est pas au courant, c'est bon. Bon, petit débrief des familles. Allez, on va commencer avec Bayle. Bah, c'était cool. J'ai bien aimé. J'aime bien le RP, donc c'était cool. J'ai pu faire à peu près ce que je voulais, à peu près. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça. On a quelque part bien avancé, même si effectivement il y a eu peut-être quelques crochets qui ont été faits par-ci, par-là pour cause de RP. Mais j'ai bien aimé. Donc, ok. C'était cool. Sioban ? Ouais, c'était sympa. Je suis un peu déçu que Aram nous quitte. J'espère qu'il va rien lui arriver. Petit ange, parti trop tôt. C'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça nous a bien aidé qu'il s'occupe de ce groupe qui était à notre housse. Donc tant mieux. La petite enquête en Sindoril, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que ça va donner. La quoi, la petite enquête? Ah oui, notre petite enquête en Sindoril, ah je sais oui, pas ce que oui, ça oui, va oui, donner oui, avec oui, la oui. découverte de du vieux là, avec ses oiseaux. Tout à fait. Zazo. Bah, ça rime mal, avec vieux avec ses oiseaux. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner ce conseil avec cette accusation que va lancer notre ami. Je suis curieux de comment Bayle va nous envoyer ou s'envoyer elle-même toute seule, je l'espère, en prison.
Ça aussi, c'est... Je sens que ça vient doucement. On lui apportera des oranges. Voilà. Des myrtilles, des myrtilles. Je témoignerai contre elle volontiers. Pour qu'elle y reste le plus longtemps possible. Très bien, très bien. Ça sera attendu. Voilà. Eh ben très bien. Eh ben du coup effectivement là on est en plein dans la dans l'enquête en capitale elf, donc là dans le vif du sujet. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus loin. Ah bah, mais bon ouais, c'est normal hein, c'est ouais, les enquêtes parce que toujours dit un peu compliquées. Qu'on avait pris du temps mais j'ai pas l'impression qu'on est trop traîné non plus quoi. Oui oui non mais c'est vrai mais c'est parce que dans ma tête je m'étais dit putain je suis pas prêt. Mais en fait, une fois dans la partie, je me suis dit, putain, mais je suis large. On te donne du rap pour la prochaine fois. Voilà, ah, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais non, mais parce que des fois, je me suis déjà fait surprendre, donc du coup, je me méfie, mais ok. Et ok, bah de toute façon, on déterminera la prochaine partie. Après, bon, il y a Diablo qui va sortir, donc ça risque de ralentir un peu l'échéance. Ouais. Et...